I can make love tu vas. Je suis en feu. Savais-tu que Lil Wayne a juste fait 15 minutes au Festival Métro-Métro? C'est extraordinaire. Et tu sais quoi? C'était juste une longue version de Lollipop. Parce que la, la, la version de 3 minutes est déjà longue. Parce que Elle n'est pas lui, assez longue. C'est lui qui répète à plusieurs reprises, il apprécie, il apprécie les fellations, oui. sans le dire vraiment pour que ça passe à la radio, oui. avec sa voix changée, oui. parce qu'il prend la codéine. Oui. Puis il a dit 15 minutes de ça, ils, ils vont en avoir pour leur argent. 15, c'est bon. Tu, tu penses que c'est quoi son cachet? Pour, euh, pour un festival à Montréal? Ouais. Euh... Traverser les douanes les loines. Ah, c'est ah, tabarnane. Je sais pas, man. Moi, j'ai une question là-dessus. Ouais? écoutes? Parce que Marco... j'ai entendu parler de ça. Oui. Salut. Marco là, tout le monde? <rire> <rire> On a dit, tu peux intervenir. <laughs> tu, aller... dis, tu peux intervenir. Je suis intervenu. Excusez, j'ai une question. Mais ça, là, maintenant, tu n'as pas rempli ton contrat. Parce que d'habitude, petite, un contrat. Parce oui. Que mettons, deux heures de performance. Ouais. Si tu le remplis pas, ouais. qu'advient-il de ton cachet? Voici ce que moi, je pense. OK. Pourquoi c'est pas la personne qui connaît les contrats qui répond à la question? vas ma chérie. Je pense que le délai qu'il y a eu, c'est à cause de problèmes techniques de la part du festival. Donc, ce n'est pas sa responsabilité à lui. Donc, lui a rempli son contrat et eux... Ne lui ont pas permis de monter sur scène à la bonne heure. Ça, je pense que l'erreur la, la fin de la part du festival, donc ça ne va pas impacter son cachet. Moi, voici je ce que j'ajoute. Okay. Quand tu l'éloigne, tu as <laughs> vendu ces millions d'albums-là, puis tu Lollipop qui a explosé il y a 10 ans, puis tu fait cet argent-là. Tu peux te payer un cabinet d'avocats <laughs> qui te font des, des contrats que tu peux arriver sur scène, déféquer, sortir, puis te donner un bonus. Mais tu savais qu'aux États-Unis, pour être agent de spectacle ou agent de représentant, il faut que tu sois avocat chose qui n'est pas le cas ici, mm -hmm. mais là-bas, c'est toi des avocats. OK. Ouais. Fait oui. eux s'emblinder, là. Oui, les, contr les contrats des rappers, ça doit être, ça doit être impossible de rentrer là-dedans. Je voudrais pas négocier. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le contrat puis les conditions négociées de vive voix par la suite. Ça, c'est ça qui est tricky, quand tu fais venir des artistes internationaux puis des rappers puis toutes ces affaires-là. Oui, ils de il rire, fait. là. Fume le joint, est Pop, si remix... Seulement... Si seulement il fumait juste un joint, Je pense que c'est pas juste ça? y a-t-il eu le temps de fumer deux joints? Là, je pense pas. On le sait, il On le sait pas. Il boit de la codéenne, non? Non, non, C'est des suçons qui commencent. Mais. Faites attention à ce que vous dites. Qu'est-ce que tu parles de. Tu as dit quelque chose d'intéressant. Il y a les contrats et les trucs de voix, c'est quoi ça? Ben, je veux dire. Je sais pas, hein, mon amour. Qu'est-ce que tu peux négocier de vive qu que tu peux pas négocier sur papier? Des choses dans la loge. Ah. C'est ça. Des petits extras. là. Comprends. Ça. Deux, trois monsters avant de vendre. Oui, juste ça. ça. deux. c'est fait... pour moi, ouais, mais je veux oui. dire pour quelqu'un comme lui, Je sais pas qu ce ah, qu'il oui. veut. Deux, trois Lolly, 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 lolly Yeah. A... Parce que le festival à Québec, il n'a qu'à aller chercher des personnes, des filles, pour qu'elles aillent dans les loges des artistes avant les spectacles. Ça, c'était pas négocié dans le contrat. Il arrivait là et il le disait. Ça, ça, ça j'ai euh, des. des c'est sûr que ça. noir sur blanc sur un papier, je pense que ça tient pas le, ça. légalement. Crois, oui, oui, oui. oui. C'est pas une bonne idée, mais C'était telle euh, une blonde, une brunette, une cite, une ça. Oh, c'était comme Michel. Les caractéristiques. Dit... Oh, oui, oh, oui. C'est vrai. Oui, oui. Puis là, hey, toi, aimerais tu aimerais ça venir dans la loge avec les gars de, je sais pas, moi moins Nicole Back, on va dire. Ouais. C'est pas Nicole Back, je veux dire. Ah oui. Puis euh, c'est ça. Wow! Il ouais. okay, ouais, nous fallait un gars chaud avec un chandail de Metallica. <laughs> Thomas. Hey! Les gars de Nickelback, c'est ça qu'ils veulent. Ils le drummer. <laughs> Je suis content. Pendant qu'ils sont le remix. Mais supposément se passe des Rien passe. Rien se passe. se dire. C'est comment l'industrie de la musique. tu prends ton inspiration de Lollipop. J'aime mieux les cigarettes Popeye perso. On a un champion du monde. Yeah. Tu es duteur. Ce qui oui. est. Euh, j'ai une chance, c'est lutteur, parce que si tu travaillais à la caisse, ça serait spécial. <rire> <rire> Ce serait incroyable, hein? <laughs> si tu, veux, si tu veux un prêt. Bonjour, j'ai oublié mon nip. <laughs> ouais, t'es sûr, t'es sûr, t'as oublié le nip, mais es sûr, moi, je, 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 ouais. as besoin d'argent. Moi, j'ai pas besoin. Le troc, ça fonctionne. Je vais demander au IGA s'ils peuvent pas prendre quelque chose. T'as commencé ça quand? À 18 ans. À 18 ans, j'ai mis officiellement en lutteur professionnel. Mais moi, j'ai toujours rêvé parce que, vous savez, la lutte, j'écoutais ça puis je voyais ça comme des super-héros. Moi, je viens d'un village que je n'ai pas de contact, que j'ai pas. Je viens de loin, c'est 7 heures de route, c'est Legoulé au Nouveau-Brunswick. Okay. Personne ne connaît ça. C'est un petit village isolé qui n'a pas beaucoup de. De, de rien. <laughs> de sais C'est ça, on avait des dépanneurs, que, que, le fameux dépanneur que chez, euh, chez Cora, que tu rentres et en tu se bercer dans le coin. C'est chez, chez eux, là. mais sans dépanneur. On n'avait même pas de, de, de station-service à rien. Là. Si tu comprends, c'est un village quasiment désuet, il ne reste mm -hmm. plus rien. Pas beaucoup d'habitants. Moi, j'étais là, j'habitais là, puis euh, je gardais la lutte, puis j'étais passionné par ça. Puis un bout, j'ai commencé à faire du backyard, construire des propres arènes derrière chez nous. Ça, il faut être motivé pour vrai. ça, là. Oh oui. Moi, quest ce que j'ai, c'est que je prenais le pick-up à mon père, puis je passais maintenant, il jetait les, les vidanges, puis à un moment donné, une fois dans l'année, il y avait des matelas. Ouais, oui. Je ramassais toutes les vieux matelas. Ah. Euh... Puis là, je mettais ça. Hey, c'est C'est-tu pas propre, ça. Hein? Quand euh... je pense à ça, hein. Tu viens de réaliser que c'est pas propre. Oui, <laughs> je réalise ça. <laughs> ah, des fois, il y a des raisons ça. pour lesquelles il est au chemin. <laughs> ce matelas, là, tu sais. y a personne oh, qui jette un, un matelas God. complètement propre. Ben, c'est ça, quoi. un beau matelas queen. Mais moi, j'avais plein de matelas. Là. Puis là, je mettais ça sur une base que j'avais faite, construire, vissée. Puis là, je, me, je mettais des poteaux dans le ciment. Puis là, mes chums Tout le monde venait du village. venait m'encourager. Puis je luttais. Puis moi, moi c'était mon rêve d'être lutteur professionnel. Tu, tu luttais avec qui? Genre le, le collègue amis... du village? Tout <laughs> si t'aurais habité dans le village, je t'aurais demandé. C'est tu sais, tout le monde aimait la lutte dans le temps. Parce que tu sais, la lutte, es hot. Ouais, ouais, était hot. Tu sais, c'était dans le Kogan. Ouais. Tout le monde avait des super-héros. Des... Tu sais, tout le monde... Tout le monde a déjà écouté la lutte, là. Mm -hmm. de proche oui. ou de loin. Là. Ouais. Pis, dans le temps, c'était plus hot. Pis, moi, c'est ça que je voulais faire. Tu tes idoles idoles Moi, c'est ça. Il y avait Hulk Hogan que je trouvais charismatique. Mais mon idole-idole de tous les temps, qui est encore à ce jour, c'est The Rock. Il ah, extraordinaire. Nice. Oui. Je trouve, oui. Moi, ce qu'un lutteur, pour moi, c'est euh, j'appelle ça le package deal. Il y a tout. C'est charismatique, il est en shape, il est bas bon dans le ring, il est bas bon au micro. Mm -hmm. C'est ça que ça a de l'air un lutteur. C'est un entertainer ça, complet, au là. complet. Ouais. Fait, moi, c'est ça que j'essaie l'aspect que j'essaie d'amener à la lutte. Là. Mm -hmm. Je veux être un lutteur. Et complet. Ce qui est cool de toi, c'est quand on te suit. Oui, il y a toi sur le ring, tes cascades, c'est extraordinaire, mais mm -hmm. tu es aussi à l'extérieur du ring, les promotions. Ouais. Euh, quand tu es sur Instagram, tu es super intéressant. Tu es un lutteur 24 sur 24, c'est génial. C'est ça. C'est quand même, Je pensais pas arriver là, là, comme je te disais, moi j'étais à Legroune au brunswick puis là, fallait je laisse, moi, là. Parce que nous autres, on va dire, si tu dis euh, un gars du village, hey, je m'en vais à Montréal. Hey, tu t'en vas dans la grande ville! Ben tu, oui. vas, tu vas piller tes aiguilles puis te faire attaquer puis... Ben, ben, c'est genre seulement, Le mm -hmm. bizarre là-bas, hein. <laughs> Ça a l'air que. Puis tu sais, j'ai appelé ma mère tantôt, puis je dis je monte à Montréal. Puis à chaque fois, elle est encore bah, sa route! Oh. Ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. C'est sa <laughs> fameuse phrase, là. C'est quand même terrible. <compliqué, ça. rire> je suis comme moi, ben, je suis moi, je vais à Montréal. Puis, hey Sadler, là, puis là, a commencé à Sadler. Mais attends, tu connaissais personne, puis tu vas à Montréal? Non, je, moi, je n'ai pas fait mon cours à Montréal, j'étais à Moncton. fait, dans le fond, moi, j'ai joué au hockey toute ma vie, de mm -hmm. haut niveau. J'étais interscolaire. Puis ensuite, j'ai été recruté par les juniors majeurs Pour faire le camp d'école, puis là, je dis à mon père, moi, je lâche tout je vais faire la lutte. Wow. Oui, moi, c'était, je voulais... Parce que sérieux, ça aurait été un gros regret. Je comprends. Si j'ai toujours rêvé d'être lutteur. Wow. Puis j'ai tout lâché. J'ai déménagé. Ouais. puis il y avait une équipe Triple A les l'éthique de Moncton, qui m'avait recruté Triple A. Puis j'étais à Moncton, mais j'ai fait l'école de lutte en fait quand j'ai switché. Euh, c'est quoi l'école de lutte L'école de lutte, c'est enfermé avec euh, d'un garage ou d'un <laughs> Moi, c'était un gros garage <laughs> qui avait un ring de lutte en permanence, il y avait des coachs là, trois coachs. Euh, les gars étaient 7 pieds, 6 pieds 10, 6 pieds 9. Des colosses. là. Oh ouais. Puis eux faisaient ça juste de leur vie. Ils venaient donné mes, mes cours, puis ils allaient en Angleterre à lutter, au Mexique, au Japon. C'était des gros wow. gars. Là. Mais tu sais, des legit tough guys que je voyais à la télévision, enfin, moi, j'étais vraiment impressionné. Là. Mm. Puis là, on allait des bars, puis ils se battaient. Puis... Moi, c'était ça la lutte dans le temps. J'étais hé! Hey! Puis là, j'ai pris des cours avec eux, puis ça avait pris deux, trois mois, puis j'étais beaucoup agile. Puis vu que j'avais fait du backyard un peu, j'avais comme un. Un background, mais pas un vrai background, mais c'était. C'est l'open mic de, de la lutte. C'est ça. tu sais, ouais. j'étais. Exactement, même affaire. Puis j'ai pris des cours, puis j'ai pris toute la base, puis j'étais super athlétique, puis j'ai commencé à lutter, puis j'ai commencé à me faire connaître, puis ça a juste explosé au maritime. Là. Tout ce bout-là m'intéresse. Euh, fait que là, je comprends bien, tu fais du backyard, tu vas à Montréal, tu fais des cours. Non, tu es à Moncton. Moncton, mon erreur. Mm -hmm. Comment tu passes de je fais des cours à Moncton à je commence à lutter à il y a un buzz? Ben c'est ça. Là, il y avait déjà un buzz au maritime. Ici, je ne sais pas. Moi, c'est un autre monde ici, au Québec. Jouer des choses sur Internet. Moi, c'est ouais. juste ça. Ou la télévision. Puis euh, là, il y avait un gros buzz au maritime. Fait là, moi, tout de suite, première année, j'ai lutté peut-être six cette fois. Parce que l'industrie de la lutte, il y a beaucoup de lutteurs, mais pourquoi qui prendrait toi à part des autres? Parce que toi, tu coûtes 20$, toi, tu coûtes 40$. Ben, je vais prendre lui à 20$. Tu mm -hmm. coûtes moins cher. Puis le promoteur va faire plus d'argent. À un moment donné, c'est ça. Là. Les gars, ça vient comme une petite gang, fait c'était la même gang. Puis là, à un moment donné, elle dit Ah, oh, il est cool, Marc, il look beau petit bonhomme il enchaîne on va le prendre puis à partir de ce première tournée là moi ça a juste explosé mm -hmm. tu sais ça pogne ou ça pogne pas c'est un peu comme toutes les sortes de mm -hmm. de sport ou les ouais, comment expliquer un succès un moment tu fais comme ah, j'essaye de quoi ouais, pis puis il y a, a quelqu'un il y a des gens qui le captent il y a, a un public pour là, ça là j'arrivais je faisais des prises différentes les autres j'étais plus charismatique je sortais plus du lot fait, le monde, t'es comme crime, t'es vraiment agile c'est vraiment qu'est-ce que tu fais tu sais j'avais comme une différence à la lutte Fait là ils m'ont pris puis dans ce temps-là c'était des vraies tournées de lutte là des mm -hmm. jours sur 7 là Oh oui, c'était ça, ça, ça c'est capoté. » je trouve ça ridicule les lutteurs. Là. Non mais est pas ridicule, là. ah, c'est ridicule. Ce que vous faites c'est pas correct là. Mais exemple le dommage que votre corps endure, c'est Plus la raison. route. Vous avez vous vous, dites que vous luttez plus que des joueurs de football, mais vous avez quasiment pas quasiment mais vous avez une douleur qui est oui, si oh Oui. Plus vous faites du culturiste, vous êtes toujours vous mangez jamais à votre faim. On tout le temps, c'est ça. mais c'est vrai, pour avoir des muscles comme ça, Ce temps-là, c'était ça. Au Maritime, c'était des vrais lutteurs. Comme tu dis, la diète, les gars suis super bien, s'entraîner tous les jours, le bronzage. Moi, moi, j'étais grandi là-dedans. Moi, c'était ça pour moi d'être un lutteur. Mais au Québec, on parle d'une autre affaire. C'est pas la même chose. Ah non? C'est rendu un hobby de fin de semaine. Mm -hmm. En t'as le père de famille qui arrive avec la grosse bédenne, mais tu sais, on n'a plus les physiques qu'est-ce qu'on avait dans le temps. Mm -hmm. Mm -hmm. Je mais moi, j'essaie de garder cette crédibilité-là que j'avais. Moi, je trouve que si tu vas un lutteur professionnel, ben. T'es un cartoon. C'est ça. Parce que t'as as une idée préconçue de la lutteur. Il y, y a une idée que toi, on ne peut jamais te croiser. C'est ça qui est cool de te c'est Non, mais non, mais <laughs> c'est vrai. Comme, mettons mais Kevin Kevin ouais. C'est cool, mais il y a vraiment l'air du plombier qui monte sur le ring, oui, qui se bat comme Undertaker. Il y, y a de quoi de cool. Oh, il oui. y a quoi de cool avec toi que. On dirait que tu un personnage féerique qui te vit dans l'aréna, puis qu'après, on te met dans un casier, puis on sort juste qu'il y a un mm -hmm. combat. Ben, c'est ça. Moi, je trouve ça cool. Là, parce que, tu sais, le, même les petits gars, quand ils voient ça, comme. Eh. Oui, ça part. Ouais, parce qu'eux, ouais, ouais. ils voient des bonhommes en shape comme ça. Ils ouais. font comme. Ah, ben ouais, c'est capoté. Mm. Puis ça, moi, j'ai grandi là-dedans. Puis, tu sais, les, les tournées de lutte au Maritime, c'était euh, comme rock'n'roll dans le temps. là. Sortait, luttait, se pognait des filles, t'étais sa route, les gars étaient tout le temps bien sous. Ah, c'était hot, là. Moi, je, je tripais j'étais là. Hey, puis je voyais ça, puis j'étais avec mes chums de ses pieds. Fait, t'sais, moi, je faisais. Euh, moi je vivais le rêve, c'est ça, que je voulais. là. Toi, tu mesures combien? 5 et demi. Ah, c'est ça? C'est pour ennemis. ça que t'es comme. L'ennemi est bon. <laughs> l'ennemi est, bon, est bon. Non, mais l'ennemi, il faut faire. Non, mais, non, mais bon, oui, mais oui, bon. oui. C'est ça. ça. Je suis pas grand là, mais t'sais, j'ai toujours eu une, une bonne. Euh, une bonne shape. Moi, le gym, c'était toujours. Moi, mon père a eu le premier gym par chez nous. OK. Ouais. Studio wow. Roussel. Okay. Cool, non. C'est vrai cool, non. <laughs> fait, y avait ça dans le sous-sol. Puis tu sais, nous autres, ça a toujours été un euh, mode de vie. Là, tu... fait que dans, OK, dans le sous-sol, chez vous. Oui, chez nous. Wow. Ouais. ouais. Tu ne pas de même quand tu commences à t'entraîner à 21 ans. Là. Non, non. non c'est ça. Pas ouais. fait, moi, j'ai commencé vraiment jeune. Puis tu sais, moi, c'était une priorité de ma vie. Puis tu un mode de vie. Puis tu sais, euh, j'aime l'aspect que ça amène aussi la santé ou tout le reste. <laughs> Mais c'est ça. Tu sais, on était au de lutte, puis on s'entraînait en puis... Hey, puis je te dis, au tournée de lutte, des fois, on allait des promotions de lutte qui n'avaient pas d'argent. Ouais, Marco, assois elle n'a pas d'argent même pour l'hôtel là, fait là euh, tu pognerais-tu une fille. <laughs> mais pour aller j'en coucher chez eux. Ah ben oui, pas normalement. C'est extraordinaire. Puis là, qu'est-ce qui arrivait? C'est qu'il y avait un groupe <laughs> qui attendait en arrière qui comptait sur toi parce qu'eux aussi, aussi avaient pas de place. Oh. Fais, moi des, des, des fois je pognais des filles que là tout ils disaient ah oh, ben là mes chum peuvent tenir ça 4 5 comme, OK, mais là moi j'amène le groupe, je savais pas là. <laughs> tu comprends parce que tu sais, la lutte, tu pas toujours euh, oh la grosse argent puis tout là, tu sais, il y a des promotions qui sont plus professionnelles que d'autres là. Mais c'est ça. C est c est ça reste les maritimes. La... Ah, Mais c'était hot. On remplissait les arénas, le par exemple. Mes parents coup. dorment. Ça, les... hey, à Il y a sept gars de ses pieds qui rentrent. À un moment... moment donné, je m'en rappellerai tout le temps, j'avais poigné une fille. Fait moi, j'avais été dans la chambre des enfants, j'avais barré à la porte. Moi, sérieux, j'ai pas tout tenté à je J'étais pas un fuckboy. puis là, mes, mes gars couchaient sur le plancher, même. Non oui? On a vu qu'il y avait un toit. Oh. – Il y avait un toit. Des fois, un à une auberge, il y avait une chambre, tous les gars couchaient dans le... dans à l'entrée de l'auberge. – Après avoir mangé des coups de chaise sur le dos, c'est ça aussi ça le fun dos, un matelas. – C'est ça, le monde le s'en rend comment c'est dur, la lutte. À long terme, je te dirais, même Ken Shamrock l'a dit, la lutte, puis il a fait la UFC, puis la lutte, puis il a dit, à long terme, je pense que c'est le, le, le sport qui amène... Qui engendre plus de blessures sur le corps mm -hmm. à long terme. Mm -hmm. Parce que c'est toujours bang, 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 tous les soirs, tous les soirs, 7 jours sous Tu T'arrêtes pas, puis là, show must go on. Là, tu prends des, des painkillers, ça mm -hmm. s'en va. C'était capoté. Là. Moi, je voyais ça, je me dis. tap. Pis à un moment donné, tu te réveilles, le matin. Go on au gym. Ok, pas de trouble. Mm. Ouais, moi, ça ne me pas tout le temps. Là. Aussi, vous êtes tout le temps fin. C'est surtout je fatiguant avec ça, là. <laughs> Non, mais mettons, les joueurs de hockey, leur but, c'est juste il faut que l'horisse la, la machine. On s'en fout. Pendant les, Le cas, c'est pas important. Pas besoin d'avoir un, un spack. Le but, c'est juste de performer. Vous, vous devez performer et, en plus, avoir un corps de bodybuilder. Ouais. Qui est deux trucs à l'opposé, c'est fou. Mais ça, c'est plus chasteur, là. C'est moins ça. Moins ça. Beaucoup ça. moins ça. Moins être déshydraté tout le temps, là. C'est ça. Moi, je sûr que oui. Ah oh là Si bol okay. C'est parce que mais manier, Toi, c'est tu... ça. Non, mais c'est parce que Moi, manier, Tu ouais. meurs du cœur à 32 ans. C'est ça. Mais qui arrive. C'est ça, eux, ils poussent trop la machine. C'est ça. C'est ça, ils poussent, ils poussent, là. Rafale des questions, c'est la lutte. Un coup de chaise, ça fait du mal. Qui Un coup de chaise, ça fait oui. du mal. Il n'y a pas de trucage avec chaise. C'est ouais. ça qui est plus fou, hein. C'est un vrai coup de chaise. Un coup de ketchup, C'est ben, ça là. C'est quoi ça Ben c'est le sens du ketchup. Oh, coup de okay. chaise, c'est truqué. Comment tu fais truquer une chaise Ouais ouais. Tu sais, des fois, on en trouve pas. On va chercher une de la foule pour faire ce gars avec là. Tu <laughs> sais, des fois, ça arrive. Des... Mais j'imagine que tu as une technique pour amortir quand ben, tu la ouvres. tu frappes un, un des deux côtés qui est plus euh, sécuritaire pour l'autre. Celui avec le coussin. Bien d'habitude, il n'y a pas de coussin. Il n'y a pas de coussin, ah! il faut que tu le clac! Ding tu veux ding. une chose de métal oh, pour entendre, parce que, si, si j'ai bien compris la lutte. corrige moi si je me trompe, tout est dans le son. C'est ça. Oui, ah, oui. Est tout ça est vrai. dans le son. Faire réagir la foule. Mmh. C'est clac! Oui, oui, oui. C'est Parce que là, si tu frappes, ça ne fait pas de son, le membre, Ça fait pas mal. Même les tables, tu sais, des fois, on enlève euh, des vis, des choses comme ça qui peuvent être dangereuses, mais une table, c'est une table. Une table, une table. Ouais. Des fois, tu tombes dessus, ça pas. Ah ouais. ben oui. oui, c'est capoté, là. Fait que c'est tout toi qui morti. Puis à un moment donné, c'est ça là, on vire fou avec la lutte. On va tout le temps plus loin. Là, c'est rendu que là, il y a des barbelés, des néants, des sites, des. Mm. Moi, je suis vraiment pas pour ça, parce que moi, je trouve pas que c'est... Ça n'a pas sa place, là, mais c'est y en a qui disent qu'il y a un public pour ça. Là. Mais ça, aux États-Unis, c'est vraiment populaire. Là. Ça devient un peu plus gore, là, non? Parce que là, t'as vraiment plein de petites plaies. Ben oui, mais là, de... je te fais ça un meilleur. Ça se peut que les gars de la première rangée, il reçoit aussi des meilleurs. Oh, ben, pas pas ça. Ça. Il y a des lunettes, eux, là. là. Hey, c'est dégueulasse, les gars sont pleins de sang. Puis... Uh. En tout cas, moi, je ne suis pas fan. Là, t'sais, les gars, est tu vraiment tout checké? J'en doute. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. C'est quoi tu vas si, si tu veux sauver ça de l'argent, ces gars, je ne pense pas que tu mets en fait, beaucoup, beaucoup d'énergie sur les, les tests, sur les, euh, les ça, tests. Là. Comment tu as choisi ton personnage? Hmm. Hey. Je, parle de, je parle aussi d'habillement, d'attitude. costume. Costume, Bah ben, premièrement le, le costume... Je... Ben, moi, je veux... Pas ressembler est tout passionné. nu pas mon amour. Non, mais je, je comprends, mes me donne. <rire> <rire> <Qu 'est -ce... rire> Non, mais les costumes, j'ai fait faire sur mesure depuis que je suis tout petit. Je faisais... Je suis tout petit. Comme si j'étais bébé, je faisais des costumes. <laughs> des mais je sais quand j'ai commencé... Petits, <laughs> <des costumes de rire> Il va mettre des <laughs> lits en couche. <rire> 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 mais non, mais j'ai toujours trouvé <laughs> fasciné. Maintenant, je peux... Je mettais des choses que j'aimais sur le costume, là, mettant des têtes de squelette. Mm -hmm. euh, parce que Marco Estrada, ça a toujours resté Marco Estrada. Je mm -hmm. jamais changé de nom. Mm -hmm. Je n'ai pas, euh, pas eu plusieurs personnages. J'ai toujours été mon même personnage. Fait, je... Des fois, c'était mes copines qui dessinaient les, des enfants. Elles étaient bonnes en dessin. Mm -hmm. J'ai envoyé ça aux graphistes. Petite short de cuir. Hein. Puis les genoux, c'est des genoux normaux. Mm -hmm. c'est peux avoir des, 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 des knee covers, qu'ils appellent. Là, pour des, je sais pas comment ça en français. En puis j'ai des kick pads, maintenant, pour protéger mon tibia. Puis quand je kick les autres, pour protéger l'autre personne aussi. Puis ça, ben. Les costumes là, ça coûte vraiment cher. Hein? Ah ouais? On oh, hein? à peu près. Mettons des petites shirts c'est 300, 300 oh! 400 C'est curieux. Parce, parce que c'est pas stand... beaucoup de tissus. Oui, mais t'as dit en cuir, par exemple? Ben, Certains, ça dépend. Même pas, pas tout. Oui, c'est pas c'est je Ils se battent, là. il y a de la lumière. C'est pas super compliqué. Mais Vivi vient de dire en cuir. Ah ben, moi, y en cuirette, le mien le dernier. Oui. Juste qu'on se parte. Non mais je comprends que c'est pas du gros cuir. <laughs> tu sais ces fou, des fois <laughs> <laughs> ben, je la poche bête ben <laughs> ben, tout trempe. Tu sais ça se, la lave, foule, pas. Gars. Ça se <laughs> lave pas. Ah, et moi mon prof de chimie physique s'habillait exclusivement en cuir puis il avait jamais son linge. Des lingue. culottes puis ben... pantalon de cuir, veston de Arrête. cuir. Arrête. Il était tout le temps habillé pareil, il était tout le temps. Oui, oui, mais il vient de l'aval, là. il vient de l'aval, c'est pour ça <laughs> okay. que. Mais il était tellement drôle là, il était excellent. Il y avait il y toujours chaud là. Mais il y avait toujours chaud. C'était drôle volontairement ou on dit drôle parce qu'il est ridicule Je <laughs> pense un, un peu des deux, mais c'est ça qui fait le charme. Ça, c'est incroyable tout en cuir. Là. Ah, tout mais tout sais, aussi, tu sais, c'est ça aussi, des fois, on s'inspire des lutteurs, des autres lutteurs pour prendre les mm -hmm. costumes. Mais moi, je me disais, plus je mets dessus, moins je vois mon physique. Tu sais, c'est plus. Mmh. Euh, c'est un peu niaiseux de faire autant de gym puis porter euh, est un canot un grenouillère, oui. genre. Ouais, mmh. <laughs> un c'est gros manteau. Mais c'est ça, c'est juste ouais, que... mais, mais si tu la... Non, c'est la... <laughs> la... <C 'est... rire> mélanges les, -les! danseurs. <laughs> <Oui>! ben, <laughs> hey, ben, on fait ça, on rentre avec un manteau puis on l'enlève. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben je parlais Ben oui, ben oui! On ben aime oui, ben ben oui, oui, ben ben ça! Oui, <laughs> <laughs> Allons-y, l'aspect sexuel de la lutte. Ah, oh, je savais! Je savais! On pas le choix! Ah, si, je lui, là. T'es un cochon! Ass... Mais c'est sexuel! T'es un lui. cochon! C'est sexuel! Lui, là, la dernière fois, il y a du podcasts podcast, il je de ça, j'ai tellement ri. Puis j'ai, ben non, c'est pas vrai, évidemment. Puis, puis là, j'ai donné raison à la femme. Puis c'est vrai, ça amène comme un aspect, je te dirais. Euh... Mais c'est des gars tout nus, là. Qui se touchent? Non, mais oui, c'est ça. mais alors, oui, c'est des gars tout nus qui se touchent. Ben, pas Oh, tu ne touches pas de façon sexuelle. Je comprends. Euh... Les soumissions. Moi, OK. Ah. Ah ouais <laughs> ah, t'as tu <sais>, <laughs> excité fuck it on sort dedans on sort dedans qu'est-ce qu qui t'est arrivé un jour qu'est-ce qui t'est arrivé qui on... parce que j'étais là c'est un podcast Oui. la lutte des stars okay. et j'arrivais pas de dire il m'a dit t'arrives pas à dire la lutte est sexuelle j'ai fait ouais pas mal <laughs> puis il m'a dit t'as pas rapport lui-même tout seul les qui étaient outrés. puis moi j'ai dit alors hey, Thomas exagère" puis en fait quand j'ai parlé pendant dix minutes Une anecdote. Fait... ouais ok ah, alors ok ok ouais le qu ce qui est arrivé c'est que qu'est-ce qui est arrivé c'est à un moment donné, dans la lutte, il y a du monde qui t'approche, il ouais. y a beaucoup de monde qui me message, puis ça. Puis à qui un moment donné, j'ai me Mais attends, qu'est-ce qu'ils qu aiment, les, les gens qui te messagent? Il <laughs> y a à partir <laughs> de ça un groupe, Ils ont-ils une préférence qui les unisse? Ben, tu sais, il y a beaucoup d'homosexuels, OK. Mais un groupe. Non, c'est beaucoup varié, hein. C'est beaucoup de, de différentes places, différentes okay. âges aussi. Mm -hmm. Puis les filles, c'est beaucoup, ouais, hey, j'ai envie de te sucer. <laughs> Non, ah, mais c'est possible. <laughs> <laughs> un petit lollipop. Tu sais, c'est sexuel, là, lui. Je, je te dirais que, que c'est puis... des passes. Mettons, il y en a beaucoup qui me découvrent, puis là, ils me voient, rien, t'as pas... fait que tu es un nouveau... Mettons, tu as un nouveau... Un, mettons, as un nouveau bassin de vrai, de... ça, ça, ça excite pas mal. Tu sais, je, peux, je peux y en rendre. C'est juste que là, à un moment donné, j'ai commencé à avoir beaucoup de, de messages de gars. Ok. Que là, ils envoyaient leur pénis beaucoup, là. Ouais. <laughs> ouais. <'est>, J'essaie <laughs> de rester poli, là. Je puis là, j'étais comme, arrête d'envoyer été en pénis. Hein. Mais t'aimes pas ça? Je suis comme, non, ça m'intéresse pas, je fais pas ça. Puis ouais. là, maintenant, il me demande, ben là, tu pourrais-tu m'envoyer une photo de toi, de dos, qui fait, les comme des prises, maintenant, là. Ah, ils ont des demandes spécifiques. Oh, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Mais attends, tes vieux costumes, tu peux-tu me les vendre, mais porte-les avant, s'il ben vous plaît? Ben oui, ben oui, ben oui. Des choses comme ça. Combien tu ça, c est, c est, c est, Tu penses que tu peux vendre un costume souillé de lutteur combien? 400$. Wow! 400-500$. Bon, facile. Attends de gorgé comme si je suis confiant. Mais attends, si ça coûte 300, c'est pas de la belle argent. Il y a moins tu peux monter des prix. Juste dire. Bah, tu dis je prends une photo avec, je vais porter, là, on peut bargainer. Oui, oui, on va dire. Génial. Oui. Tu fais ça toi-même ou t'as un agent qui négocie tes, ces trucs. Un avocat. Je pense à me prendre d'avocat comme là, Wayne, t'as de Non mais je veux dire, c'est Goldwater. C'est toujours moi qui a fait tout pour vrai. Mais je suis quand même très organisé d'avis. veux pas. Je codis tous les aspects. Là, je suis capable. De Mais très jeune, tu toi-même des, des. Oui, t'es des, un oui, de lutte dans go, un cofacteur. C'est ça. Un certain sens d'organisation. Euh, très entrepreneur. Oui, c'est ça. Très entrepreneur. Puis j'ai toujours fait attention à mes affaires. Puis j'ai toujours été euh, ordonné. Il y a-tu oui. un homme à m'amener qui te demandait une, une requête assez spéciale? Regardez, regardez, regardez. Il veut vraiment aller là. Oui. Dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une campagne. Quand j'arrive à Québec. Oui. Là, j'arrive à Québec, j'ai eu un message, j'ai dit Bon, il ben, y a une compagnie qui aimerait ça t'embaucher pour que tu viennes faire de la lutte. C'est tant de menta le mental. Le mental, je ne me rappelle plus, c'était quand même très affaires. élevé, puis c'était américain. Mmh. Puis là, blablabla. Bla, bla, je fais Oh, t'es un peu, là. Intéressant. Moi, je suis jeune, genre 21, 22. Là, il dit, tu peux-tu m'envoyer tes photos de toi? Normal, là, pas de photos. Ouais. Euh, là, j fais, ok, j'envoie des photos. Là, il fait T'as ressembles-tu vraiment encore à ça Je fais Oui? OK, on aimerait ça t'avoir avant couvert, blablabla, bla, telle date. Jusqu'à une semaine, on te donnerait tant d'argent, le billet de vol, vol payé. Là, je comme là, OK. Moi, je suis comme OK. Là, il dit c'est comme de la lutte, mais pas de match de lutte. Là, je fais OK, mais moi, je suis lutteur professionnel, je fais des matchs de lutte. Ouais, wow, on n'a pas de match. Là. Il n'y a, a pas de foule. Là, je fais Ben, ouais, ouais. <laughs> Moi, j'arrive, je prends le vol là-bas, j'arrive à l'aéroport, Marco Estrada, une pancarte. Le gars me ramasse, il me jase ça. J'arrive dans un gros bâtiment. Le gars fait du barbecue dehors. Ça va, t'as-tu fait Je suis comme, ouais. Là, il dit euh, Là, les. Tu luttes à telle heure. Moi, je rentre, il y a d'autres lutteurs. Je OK, cool. Il dit bah OK, faire enfin, la lutte, si, c'est pas le doigt de pantalon lent. Juste des <laughs> pantalons courts serrés, s'il vous plaît. Euh, rien d'autre. Tu peux taper les poignets comme d'habitude et le reste. Là. Mais euh, beaucoup de soumissions. J'aime euh, les soumissions. Toi, Marco, tu feras euh, maintenant. Travaille beaucoup sur le dos de ton adversaire. <laughs> là, 25-30 minutes. J'ai 25-30 minutes de yeah. soumission. Com mais là, je commence le match. Combien il y avait de femmes? De so femmes? De fameux? Zéro. C'est OK. okay. <rire> <rire> pas de femmes. Peut-être que t'as qui travaille en arrière-réception, je Dans ouais. oui, Il y a beaucoup de colliers aussi dans le poids. Mais c'est comme dis. si on lutte ici, là. Y a une femme, oui. Non, mais je veux vrai. dire, oui, euh, c'est comme l'endroit, là. Ouais, dis, ouais, vraiment, ouais. Euh, puis là, c'est ça, il y a un bac de bobettes. Je choisis là-dedans. Là, -dedans. là, là oh, OK, nice. Puis là, tu choisis les bobettes. Puis là, tu luttes. Là, moi, au début, je commence à lutter. Non, non. Il fait Oh, oh, oh. Trop intense. Ah, comme ça, là, ça va trop vite ici. <laughs> Soumission, on travaille bien, les soumissions. Là, je fais <laughs> OK. Mais là, je fais mon premier match. Je le là, ouais. ouais. gars. Là, ces affaires-là, c'est tu les les homosexuels. il me regarde. Il m'a devrait toi. Je fais ah, ah, OK, ouais, ouais. <laughs> On <laughs> a pris un combat, comprends que. Okay? <laughs> qui était pas intéressé par l'art de la lutte. Là, là. La question, esti, mais, mais là, les affaires mais là, là pour les homosexuels. C'est ça. Mais le complet. D'abord, toi. Complet. Ah, ah. Mmh. C'est beaucoup de subtilité. Tiens-le, 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 tiens-le. Sous pendant 5 minutes. Et là, il est chaud, c'est ça. Quand tu, soucis, ça coule, c'est bon. <laughs> la gueule oh qui... mon Dieu. Es tu es filmé? <laughs> Oui, c'était filmé. Mais ça, c'était important de <laughs> mentionner. C'était filmé. Wow. Oui. Cette vidéo cassette-là a dû tourner beaucoup. Beaucoup. Wow. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui arrive, c'est que cette campagne là elle peut fermer, mais il s'en dirigeait nos places. Puis j'étais encore appelé pour en faire d'autres. C'était okay. okay. à Boston, okay. au Maine. Ils louent un studio, puis les personnes, les gars, choisissent les gars qu'ils veulent. Comprends. Ok, moi, Marco Estrada, je ouais. reviens de nouveau. Ouais. Là, il me rappelle Boston. Ouais. Tu veux te souvenir, mais Boston, il mélangeait les deux. J'ai réité, mm -hmm. puis il mélangeait les deux là. Maintenant on faisait euh, deux, de trois jours de... et de la lutte. C'est de, 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 de... de l'érotisme. <laughs> on va se le dire, c'est de l'érotisme, c'est de l'érotisme. Spectaculaire. Ben c'est ce ben, euh... quoi Attends un peu. Tu pou. Ok, ça, oublié de dire. Après le tournage, lui, il vient me voir et dit "Tu vas te faire plus d'argent." Moi, mm -hmm. <laughs> j'ai l'argent, je suis comme bah ben, oui. J'écoute. Oui. Mais Là, ça se peut qu'il n'y ait plus de culottes. Là, je fais, oh, OK, non. Non, non, mais ben là, il dit, bah, ça peut être une fille là, ou un gars, tes préférences. Je fais ça une chambre d'hôtel. Moi, j'arrive, je filme, je fais de la lutte, pas à un moment donné, mm. Didine a l'air, <laughs> <laughs> soumission oui, euh, oui. version euh, 3X. Ouais. Là, je suis là, Hein? » Il dit, là, je te donnerai 1000 piastres par match. Mais après ça, ce, lui, c'est pas un bon deal. <laughs> Parce qu'après ça, tu n'as pas de doigt de suite. C'est ça. Moi, j'ai pensé space. à ça de suite. Oui, oui, oui. Moi, je suis dans mes affaires. Ben, ah oui, bien sûr. J'ai dit non. Non, Brilliant. je ne prends pas ma dizine. Mm. Pas mille dollars. Je comprends. Pas pour 1000 Je euh, comprends. Je à, à un moment donné, il peut se servir de ça comme moi plus tard. Ben, pas se servir comme moi, mais ben oui, ça peut. Bien, bien, ça. Que si bien pas un sûr. Bien sûr. Si tu te la jettes, tu filmes ça. Oui, oui, on, on, on la connaît pas, cette jet femme-là. On sait pas qui elle est. Non, non. non. Non, 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 non. non, non Il y a bien des éléments un peu loups. Mais le monde, des fois, pense à l'instant même, l'argent vite fait. comme, j'ai yes. C'est sûr qu'il y en a qui disent ça. qui disait, il dit, là tu viens ici à le soir? Non. Ah ouais, là. Hey, non. Ouais, non. Je te donnerais plus d'argent. Du barbecue, c'est <laughs> ben, le fun. C'est ça, l'hôtel pays Tu as respecté tes limites, c'est parfait. C'est ça. Moi, je suis oh, revenu avec un chèque de... Hey, C'était en haut de 1000 piastres américains. Je suis hein. capotais. Ouais. Moi, j'étais millionnaire, là. Mais <laughs> <laughs> okay. ben, non, mais. <laughs> hey, en plus, le taux de change, t'as <laughs> capotais ce temps-là. Parce que euh... tu sais, la lutte, tu on va te dire. C'est payé, Souvent tu payes pour lutter. C'est pas la lutte qui te paye. Ouais. Ah, on aurait dû checker le titre du film, mais on s'en parlait hier en sachant qu'on allait faire l'épisode avec Marco, le documentaire sur la ligue de chatouillage. Oui, c'est un, un, un documentaire et c'est un, une ligue de chatouillage. Ils ont rapidement réalisé que ça appartenait à un gars qui était très excité de voir des gars très musclés chatouillés. Oui. C'était comme de la lutte, mais du chatouillage. Mais ouais. ils se sont rendus compte que. Je... Ouais, c'était du chatouillage. C c tu Oui. Puis là, tu attaché. Puis là, tu te chatouilles. Puis il y a du monde qui filme. Ça mais ils se sont rendu compte que c'était une perversion. Puis que le monsieur, ouais. il. Puis qu'il était Finalement, pas super était bien traité, pas... ces hommes-là. Puis souvent, bien... ces, ces vidéos-là, tu à, à tes employeurs. Puis à ta famille. Puis ah. je te reviens pas. Si je te l'envoie à ta blonde Tu Non, non. Okay, mais ça, il y en a encore beaucoup, d'après moi, des choses comme ça. Je comprends. Ah, oui. Puis faut faire super attention. C'est pour ça que je pense que tu as eu les bons réflexes. Oui. Parce que, tu sais, si hey, j'étais jeune, puis c'est beaucoup d'argent, puis mm -hmm. si, il des mille, puis des mille, puis des mille, tu fais, hé, tabarouette. Puis quand j'ai arrêté de nouveau, à Bastan, puis moi-même aussi, il m'a proposé souvent, là. Mm -hmm. Ouais, la fille est belle, la fille est super jolie, mm -hmm. puis tout, mais c'est juste que, tu sais, le mec qui allait, là, c'est ça, c'est très spécial, là. Mm -hmm. En tout cas. Ta relation amoureuse? Oui. Comment t'as rencontré ta dans Euh. Là, j'ai une nouvelle copine. Ben, nice job? Ouais. Que ça fait longtemps qu'on se connaît, amenée à la lutte. Yeah. Ouais. Mais c'est pas sexuel. Une groupie. Arrête! Une groupie. Mais c'est pas sexuel. C'est pas, pas, ça l'est pas. C'est de l'art. C'est ça. C'est OK. Et l'art, pas <laughs> sexuel. <rire> oui. Parce qu'on a fait longtemps une belle affinité, puis on s'est vu la première fois à la lutte, puis tout de suite, j'ai fait comme. Christ, il euh, y a une belle fille qui vient à la lutte. Mm -hmm. Très surprenamment. Quand on parlait des États-Unis, là. Wow! Ouais, la foule. Mais en fait, on, on, on va au Québec, on est gâtés niveau oui. femmes. On a des très belles femmes. Parce qu'il y a beaucoup de gars des, des States qui viennent lutter. Ils mais il y a des belles filles. C'est très, très belles femmes au Québec. Ah. Mais tu très belle, là. Au States, non si tu veux dire, la foule bah, est gâtée. J'étais lutté comme... au Maine oh. pour vrai, puis ouais. sérieusement, là. C'était pas facile. Alors, euh, je ne vais pas faire de jugement, là. On, on va le faire. Ton... Ah, le faire. Les, Les gens, gens que toi, là-bas, t'étais étais comme ça. Oui, oui, oui. On se des fois de temps en temps pour faire. Ouh, OK. C'est populaire, le McDo ici. J'ai capoté, là. En tout cas, c'est ça. J'ai rencontré là. Après, euh, j'ai laissé mon ex couple de mois puis elle a commencé son chum avant moi. Je savais okay. pas. Là, on a commencé à se parler puis on faisait comme des lives ensemble parce que moi, je suis commodité par une affaire euh, de bambins exotiques. Mm -hmm. Pas érotiques, exotiques. Différent. 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 <rire> <rire> Pourri, old <all> sexe. <laughs> puis c'est ça. Puis là, on a vu l'affinité, c'est super bonne puis ça, on a commencé à se voir euh, en décembre dernier, janvier. Puis là, ça a mis concret puis là, c'est super amoureux. j'en ouais. Genre ah. full... Euh, Ouais, comme un ado on dirait. Oh! Ça Fait longtemps que je m'avais pas senti comme ça. Ah, oh, c'est mignon. Comme ouais. quand, quand tu reçois un texto, tu es comme excité Genre, tu sais, j'ai hâte de la voir, je suis excité, j'ai encore des papillons à chaque fois que je la vois. À oh. chaque fois, j'ai tout le temps, je veux tout le temps faire de quoi avec, je veux tout le temps qu'elle est avec moi, je suis tout le temps euh... D'habitude, je hey, fais mes affaires de lutte, je reste à la maison, je fais mes affaires, je suis un peu indépendant, mais elle, je suis genre dépendant d'elle. Mm. Mais oh, comme fait... un petit gars je suis énervé ben red. Mm, ouais, en amour Ouais, je dans l'amour Elle a fait quoi dans la vie Elle est animatrice de radio, émission à Saguenay très chouette. avec ouais. ah, les deux, vous êtes dans le show business et les deux vous comprenez. Que, ouais, ouais, ouais c'est sûr que là, il y a la, c'est ça, plus... Je te dirais que mes ex, c'est ça qui a été beaucoup de problèmes. C'est tout à parti, beaucoup sur mm -hmm. la route, mm -hmm. ma tête est beaucoup en, mm -hmm. qui roule tout le temps. fait, des fois, je suis là, mais pas là en même temps. Bien sûr. Fait, ça a affecté un peu mes relations. Il y a des choses que je regrette que, ça aurait pu, genre, changer ça. Mais tu là, ce que ça m'a amené aujourd'hui, je suis super fier. Puis là, je suis super en amour. Puis. Ah, tu déjà une femme qui t'a lancé l'ultimatum, c'est moi ou la lutte. Non, mais. Parce que c'est avec qu'à perdre leur temps. Oui, mais c'est juste que, tu sais, à un moment donné, elle le dit. T'es jamais là, t'es pas là. Même quand t'es là, t'es pas là. là mm -hmm. Comme je te dis, je fais du connu sur Internet aussi. Fait, là, à un moment donné, ça, ça prend du temps à la tête et ça roule tout le temps. Fait, chaque fois que je faisais quelque chose, ben, encore des photos pour les, les réseaux sociaux. Ben, encore des vidéos pour les réseaux sociaux. Ah, c'est ça que je fais. Là. Là, ouais. C'est sûr que ça a amené euh, une distance aussi. Puis là, à un moment donné, ça va comme ça. Là, ça marche plus. Mm -hmm. Parce que moi, ça me fatigue de rester en couple quand ça marche pas. Là. Moi, ça parce que entre la rupture et que ça marche pas, il y a souvent six huit mois. Hey, plus que ça. Dans si on s'aimait, il y a un coup. Ah oh, oui, ensemble, on parle de ça. 32 <rire> ans. Qu'est-ce <laughs> okay, c'est quoi ton coup? Ah, si ça fait 32 ah, ans. Ah non, c'est mon coup favori là, parce que là, je change à chaque émission, parce que là, moi, je veux de la chicane, puis là, moi, c'est qu'est-ce qui me fascine de ça, comme qu'elle dit tu sais, c'est des fois c'est six mois, des fois c'est hey, je me dis hey, ça fait trois ans qu'il y a quasiment pas de sexe. C'est long trois ans. Puis une semaine, c'est lent, là. T'imagines? Ouais. Eux, ils s'en vont là, puis pis... ils peuvent faire plaisir sexuel. Oui, on fait genre quatre fois par année. Quatre fois par non, année. Non, c'était aussi semaine, mon amour. C'était ah, aussi semaine. Excusez. Même. Ben, attends un peu, parce que là, mon couple favori, hey, eux qui ont cinq enfants, puis là, quand ils sont encore enceinte, puis chicanent tout le temps, eux, sont quand même mes préférés. Oui, <laughs> t'as ouais, raison, je vais changer. Arrête de le dire, fais-le, je... ah oui, dis, <laughs> <10, rire> comme, ah, il est tout soumis, là. Putain, tu dirait qu'il est comme dépourvu. Il arrive chez eux, puis tu vois qu'il est malheureux. Ah, les enfants crient je suis comme Ah, j'adore ça. Puis il va vers la psychologue, puis tout le temps, comme la tête comme ça. Il peut quand même la garder en pleine face. Euh... Ah, c est, c est... ah, puis il la crie à côté. Je suis comme... oui <laughs> il rentre à la job lundi, les gars. C'est-tu ah, de loser, toi? Mmh. Te... <laughs> J'en reviens pas qu'il diffuse ça. J'en reviens pas qu'il diffuse ça. C'est un bijou. C'est un bijou. Sérieux, c'est un bijou. C'est incroyable. Des fois, j'ai juste envie de la rentrée, Tellement, tellement, tellement. » Éteignez les allez voir des vrais psychologues. Tout là. le monde, puis madame aussi. Qui oui, madame aussi, madame aussi, là. Il faut-tu pas de l'argent à faire ça? Oui. Pardonne-moi? L'émission de télé? Tu veux ouais. dire, c'est ah, sûr que ça oui, ça joue à douze. heure de grande écoute à Ça coûte à 12 pièces à faire. Non, non, je sais, mais eux sont payés, là. Les candidats, oui. je sais pas. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui, oui. Les candidats de télé-réalité... Ils... Arrête. Mmh. Tu vas te faire ruminer devant ah! des milliers ah! de personnes puis tu pas une scène. Moi, ah! ouais, t'es payé plus cher pour lutter. <laughs> oui, c'est ça. Moi, de... euh... <laughs> faire des zing zings j'ai j'en ai plus d'argent. Peut-être qu'ils ont un cachet de dédommagement. <laughs> je leur souhaite. <pas, rire> je leur souhaite. Mais tu sais, peut-être qu'il dit, bon, ben, gars, on ne paiera pas, mais tu sais, on t'amène une vraie psychologue, qui va t'en aider l'aide à long terme, on va, tu sais, récupérer on ton fond. On te fait coude. voir une fausse psychologue à la télé. puis Qui qu est sortie de l'autre, <laughs> tu s'est fait sortir de l'autre. Oui, une vraie pour réparer <laughs> le travail de la fausse <rire> <rire> Mais là, t'as vu, moi, je fais des stories là-dessus. je fais là, bien. Je suis passionné, J'ai lu les livres. Ah, oh, t'es quoi, t'es un lent ou t'es un vide T'es un codépendant, dépendant? T'es quoi, toi <laughs> Je, mais tu vois, dès que tu y parles un peu, elle t'écoute même pas parfait, elle fait Dépendant. <rires> <rires> Voilà, là c'est mon livre. Écoute, coûte 29, <rire> 29,95. <laughs> Lui il est là. C'est ça. La madame le dit, ça doit être vrai. T'as raison là. Je suis encore écouté hier. Je suis excité à chaque fois que ça vient. À 7 heures, je suis comme Yes! Je suis content. C'est insane. Ah, oui. Parce que l'affaire avec la lutte. C'est qu'il y a un scénario, puis je pense que. Y a... Ça, c'est pas stagé, Ça, c'est même vrai. C'est pire que la lutte. La... C'est p... exactement ce que je veux dire. C'est pire que de la lutte. <laughs> c'est vraiment, c'est de la tragédie réelle. <laughs> oui. C'est horrible. Hey, L'autre, la première euh, émission, elle dit Moi, je bande pas, je, je suis pas capable de la satisfaction sexuelle. Premier show, premier show. Premier show. Ouais, premier show. Euh, moi, là, faut... <laughs> moi, là, dire à TVA que je bande pas, je sais pas. Puis non. Puis elle, elle, elle me dit pas capable ouais. de satisfaction sexuelle. Ouais. Ça part c'est tellement bon. Ça part. Non, non, c'est malade. J'adore. Moi, mon personnage préféré, on a juste deux épisodes d'écouter. C'est pas des personnages, c'est du vrai monde, mais c'est du vrai monde. Ils vont sûrement nous écouter en ce moment parce qu'il y a un ami qui veut leur envoyer ça. Ma personne préférée, c'est, je pense que c'est la famille qui a plein d'enfants, mais il y a un des enfants qu'on voit jamais parce qu'il y a un autre parent qui a refusé qu'on voit l'enfant. Ah oui, oui. Puis moi, ce parent-là, Meilleure personne ever. Pour vrai. Seule personne qui a du sens ouais. dans toute la culture. Je ne pas mes enfants à TVA. T'imagines-tu ton ex, il vient de voir, il fait comme, OK, je, dans mon nouveau couple, ça va tellement mal niveau, je m'en vais dans une télé-réalité. Tu sais la personne pour qui je t'ai laissé, là. Puis je veux, ouais, puis je veux que notre enfant soit vu. Puis là, ce parent-là, il a fait no fucking way. Genre, TVA ne filmera okay. jamais mon enfant. Moi, il euh, genre, un gars, il m'a sauté. Oui, un oui. Ouais. oui. Oh. Moi, genre, res, pour vrai respect à ce parent-là qui a fait, tu non, l'intimité de mon enfant ne passera pas à tes parce que ton couple marche mal. C'est ouais, vrai, Charlotte, meilleur personnage. Non, mais Chris, c'est un mannequin. <laughs> aussi. Parle, ça, c'est le premier épisode. Il y, a un, il y a un couple homosexuel où le gars découvre oui. très tard dans sa vie qu'il est homosexuel. Oui. Il pense, que pense que à une rose bleue. Oui. C'est extraordinaire. La, la rose. C'est un hétéro qui va acheter des, des fleurs. <laughs> tout de même. Bon. Tranquille, sur extraordinaire. Et qui, moi j'aime pas... Non, c'est qu'elle a acheté la fleur. ouais il, oui, c'est ah, un fleuriste. Ah, c'est un le, fleuriste, un fleuriste. Hétéro, il y a le plein. Euh, ouais, ouais, euh, ouais. Le plus hot. Comment <laughs> il s'est fait pogner parce que c'était un gars, il a rencontré un fleuriste, il a fait Waouh, il faut que je le revoie. Et il a dit à sa femme, Ouais, c'est ça, je dois aller chercher un vélo pour notre garçon. Puis il est arrivé À 19h le soir dans une autre ville. Oui! <laughs> a le suivi, pis Il est derrière au resto y avec l'autre gars. C'est ah. ça que tu parles. Ah, <rire> <rire> ah mais moi j'aime qu'il précise que... Il dit « Je me suis fait pogner parce que mon sel est linké à mon ordi, puis là, ma blonde, elle a pu me traquer puis voir que j'étais pas en train d'acheter un vélo, mais que j'étais dans un resto-bar. » puis là, là... Pour vrai, amateur. Honnêtement, là, ouais. j'encourage pas l'infidélité, la, 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 mais Chris, si t'es pour être infidèle, délinque tes affaires. Faut que tu te forces, faut tu te forces. Faut tu te forces. tellement C'est un signe de respect envers l'autre, pour la personne trompée, oui. d'au moins effacer ses traces. Oui. M'amener, là, tu l'aimes, tu l'aimes un, un peu. Au trajet. Un peu. <laughs> C'est comme... <laughs> trop facile, tu sais, je veux dire. Oh C'est comme un jeu vidéo, ça tu suis le trajet. <laughs> tu tu tu... Ah, en tout cas, bien remis ça, ce jeu euh, ouais. C'est incroyable. Pense... Puis, la <laughs> fille, t'as su le gun, hein? hein? La fille, t'as su le gun honnestie. Je m'en vais dans une autre ville chercher un vélo. Elle, tu suis sur l'ordi. Mmh. Tu veux dire... Ben, peut-être Il y a beaucoup de couples, là, même. Qui surveillent l'autre, m'envoie ton cellulaire, qu'est-ce que tu fait, qui tu parles, qui. Moi, j'en vois Le track, my friend, ça me surprend à quel point il y a des gens qui l'utilisent. Il y a vraiment des gens qui savent. ça, le match-up, dit. Hey, tu m'as décolleté, je vais checker, je vais checker. Mais regarde, tu sais ce qui est en ami, là, Tout le temps, moi, ça, ça me. C'est ça, moi. Mon père, il n'a pas ce soir, il a dit qu'il était là, il est là. On a déjà fait de la blague, Steph. Puis moi, que si moi, j'avais ça, tout ce qu'il y avait, c'est moi au cours de basket qui fais vers le panier, derrière le panier. Va le panier. Il est où Thomas, je suis sûr qu'il me trompe au YMC. Je préférais qu'il couche avec une autre fille. Je préférais, là, parce que ça. Et Lui, au YMC un mardi l'après-midi, c'est très standard parouet. C'est là, tu s'entraînes au YMC? Non, je m'entraîne au m'entraîne Eco Fitness et c'est extraordinaire. Il n'y a que du beau monde. Je sais. Et j'ai réalisé que j'ai le plein comportement que tu au gym. On en parlait un peu, c'est ça. là, Parce que là, j'ai dit qu'elle le monde qui crie... Puis qui, qui... Moi, je crie au gym. Mais sûr je comprends tu crie pas, tu cries où? Ouais, mais il crie en tout ah. temps, là, c'est plus... <laughs> quoi? Ah. Chaque fois qu'il vit une émotion, ça ouais. sort. Je suis pas de mauvaise humeur, je crie, il se passe rien, je crie... Mais tu, tu, tu cries-tu pendant que tu t'entraînes? Oui. Ben, il faut. Oui, oui. Ah, oui. Un, ben, un avant pour te mettre dedans. Mettons le dernier... Ah. À, mais avant, en train à oh, la zone des Je Tu pois, fais pas genre... genre? Ah! Avant de lever, là. Ça, il faut ça. Arrête. Mais c'est nécessaire. <laughs> tu fais ça. Mais t'as pas, pas le arrête, choix. Arrête, 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 arrête. Mais t'as pas le choix. <laughs> t'as pas le choix. Mais t'as pas le choix. Il faut sortir, là. Non, mais t'es là, ou t'es là ou t'es. Non, t'as pas le choix. <laughs> mais toi tu, toi, tu. Tu trouves ça comportement normal, ça? <laughs> je sais pas si c'est comme normal, mais c'est ce que je fais. <laughs> <laughs> J'ai aucune idée c'est normal. Euh, le monde te regarde. Ben, non, aucune <laughs> finesse, peut-être que tu serais pas juger. Je sais pas, Sans pas est... juger. Tout le monde est laid à sa manière, y ouais, compris moi. Sais. Fait que tout le monde a ses affaires là. Tout le monde a ses choses. <laughs> tout, <le> <laughs> <laughs> tout le monde a des problèmes, là. Il <laughs> y a personne qui fait au kilo fitness à longueuil, qui va bien, là. Y compris les employés. Ok, ben là, explique-moi ce que tu fais. Là, tu fais genre. Ah! Puis là, ouais. tu lèves. Ouais. En levant, faut que tu cries. <laughs> à chaque. À chaque. Pas rep. Pas à chaque, pas à chaque. Mais le sur le 12 reps. Il y en a au moins 5, il faut que tu fasses un son. respirer. Premièrement, faut respirer <rire> <rire> Premièrement, faut respirer. Ben <laughs> oui. Arrête juste ça, tu m'énerves. Ça, y a ça. Ça, ça je l'ai déjà entendu faire. On est déjà allé au gym ensemble une fois, puis ça, j'ai entendu ça, c'est vrai. Il y a ça. Oui. Il y a s'encourager. Let's go! Wouhou! Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Mais t'es tout seul? Non, voici ce que je fais. OK. Ben Des oui, fois, oui, je suis. La moitié de mes entraînements, je suis seul, mais je suis euh, maintenant un gars qui sert avec qui je m'entraîne, Alex Bellemare. On oh, le salue, c'est un altérophile. C'est que moi, je vais avec un gars qui est altérophile canadien qui veut se rendre aux Jeux Olympiques. Je peux faire ce que je veux parce qu'il est là. Personne va nous confronter. Tu l'utilises Bien sûr, j'utilise. Comme bodyguard Bien sûr, j'utilise. J'utilise Lui, avec vue. toi, il tu Quoi Quand tu fais ça, là. Il dit tu te fais un matériel, genre il, il, il me connaît. Il, il sait, il sait, oui, c'est ça. Il me connaît, il savait. Ouais. Okay. Il savait à quoi il s'est Il Tu averti Non. Okay. Mais il écoute tes podcasts. Mais il écoute mes podcasts. Puis la première séance, il a fait Ah, oh, ben, là, je l'ai payé pour le mois. Fait qu'il a fait Ah, oh. fait que si je Tu l'as payé pour que avec toi Oui. Ah oui, parce qu'il me fait un entraînement. Okay. Mais l'entraînement, c'est pour ça que je paye. Ah, c est, c est, je, je paye le silence. Un peu. Un peu. Fait que là, il me suit. Puis... il fait de l'argent avec toi. Ah oui, ah oui, C'est un, un étudiant, c'est un, ah, un athlète olympique, un fait besoin, ça. Pis, ah, il y a besoin. C'est 100 ma piastres, c'est un programme, mais c'est cher. <laughs> oh, mais tu cries, là. <laughs> ah oui, puis après, <laughs> Boussie, évidemment, il faut, faut lancer des poids. Mais il n'y a pas une alarme. Oui. Moi, au. gym, il y a une alarme. Moi, au oh, EconoFitness, où je vais, parce que là, je ne vois pas au même que lui. Je sais que j'aimerais ça. Oui! oui ça <laughs> la Let's go! Crac! D'alarme, mec! Oui, il n'y a pas d'alarme, au <laughs> Moi, c'est écrit en gros oui. mais si vous dropez vos poids, la lampe sonne. Non, larme nous, il n'y a, a rien. Mais je ne suis pas sûr que l'alarme marche pour vrai. Mais aux États-Unis, ah. je disais des gyms que ça sonne. Ben, pour vrai, là, c'est un gym où tu peux pas lancer ton poids. Tu n'as pas rapport. Tu n'as pas rapport. <laughs> écono pas... fitness, tu peux pas. <laughs> Moi, je l'ai fait. J'ai eu deux Tu savais fait. que ça brise les poids. Oh, c'est ton... les mêmes, pas grave. Hey, tu quoi? Ils ont les moyens.

euh, pas pas l'autre. Tu euh, veux pas le dire! Mais le, le, là où Ouais, tu lèves? Ah ouais, combien tu lèves? pas beaucoup. <laughs> euh, mais le bench, ça, c'est là où je fais le plus de bruit. Puis aussi, je, de, moi, j'ai jamais déposé une barre de bench de ma vie. Je... On montrer au monde ce qui se passe. C'est ça ce qui va se passer. Cette séquence est terminée. C'est ça, que j'ai fait. Ouais. C'est ça, que je fais. Je lance les poids, c'est évident. <laughs> euh, puis aussi, euh, faut qu il... quand c'est content, faut-tu qu'être à l'entraîneur? Taper des mains. Moi, une fois, un, au début, je faisais ça, m'arrêter. m'arrêter. J'allais chercher l'approbation, tu vois. Faisais, tu faisais des high-fives. On m'a dit, je ne peux pas faire ça. On m'a expliqué que. Euh, non, on m'a expliqué. Il ben, y a d'autres explications que tu as ratées aussi. Il y a d'autres Mais mon gym, ce qui est cool à mon gym. C'est pas la seule explication. Je suis, à mon avis, non, je suis peut-être dans le top 5. Je ne suis pas le plus weirdo. Le top 5 des weirdo. Non, je sais que tu n'es pas le plus weirdo. Le, le, le top 5. Il y, y a ceux qui se mettent des ceintures d'estomac, là. Comment, comment on appelle ça? Ah oui, mais parce ça, c'est le monde qui le corps, là. Ouais. Pour bencher, ouais. pas beaucoup. Non, c'est ça. Il y a ouais. les gars que tout ce qu'ils font, c'est mettre plein de plates. Puis là, soudainement, ils ont des mails Oui. Ah. Puis là, soudainement, ils enlèvent toutes les plates. Oui. Okay. Moi, c'est drôle parce qu'Alex, lui, quand il voit ça, il fait « Ben, moi, je fais ça le matin en me levant quand je suis fatigué. » Oui, oui. Ça... Non, non, c'est ça. Là. Oui. Mais... Ben, je dois il fait ça pour pas des pas photos, ça. Okay, par... Alex, je l'aime. Son, son surnom, c'est le, le Golden Retriever parce qu'il est très, 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 euh, il est très content. Il est très ouais, heureux c'est comme ça que c'est... En plus, l'haltérophilie, c'est beaucoup des gens introvertis puis très extravertis Puis lui, des fois, il faut que je l'empêche de, quand le monde, lui met plein de plates de juste aller squatter puis la remettre. Ah, ah ça, ouais. c'est... Ouais, parce okay, que... Vous a... joue à ça tous les deux. On est fous. OK. On enfin, en deux, mais on n'en va pas bien. Là. <laughs> on parle les deux, on a chacun nos problèmes. Là. Et euh, ouais je incroyable. pense qu'il n'y a pas, pas grand-chose que je fais qui fait... Ou peut-être. Ou peut-être. Garde ça par en-dedans. Il chez eux, il fait wow! C'était fou aujourd'hui! <laughs> je fais ça. Il euh, y, y a ceux qui mettent trop de plates. A... Ah, la poudre! La poudre! Il y a des gars qui se mettent plein de poudre pour bencher juste deux, une plate. <laughs> euh, mais mon préféré, je l'ai déjà compté ici, mais je le... lui Lui, il, met, il prend la cage de squat, il met la barre très très haute, puis il fait des back kicks. Ah ça, c'est incroyable. Il back kick la barre, puis il fait ça 25 minutes. Puis il retourne à la maison. « Ah, oh, il y a le gars qui fait du shadow boxing en courant. Ben » C'est ça, là, ces affaires-là, c'est ça. Il existe d'autres places pour faire ça. Votre... Fais pas ça au gym, sérieux. Là. Mais il veut qu'on le des... Moi, je pense que c'est bien des, des, des exhibitionnistes qui veulent qu'on les regarde faire ça. Ben puis puis oui je... Bien oui, il va attirer l'attention, ah, c'est sûr. Tu sais, moi, ça me ferait faire des... Mettons, « Set de curl » de la monnaie. Oh, oui, oui! Oui! <laughs> oui! Oui! Des, des shadow boxing entre les sets, là. Sérieux, moi, je me Moi, ce que j'aimerais que le monde fasse, c'est ceux <laughs> qui font. Faut j'avertis de... ce monde-là. Moi, je vais voir, là, ça sérieux, Chum, arrête. là. <laughs> une fois, il faut qu'il ait crié ouais. Boom! Comme toi, là. Ouais. là je te vois, je dis, j'ai je pas essayé ça, Chum. OK, on, on fait l'affaire. Mettons, viens, on fait une mise en scène, je deadlift une euh, euh... Ça dépend on est où. Là, je te parle à mon gym. Attends, oh oui, connu finesse, je te laisse crier. Oui, oui. Oh, mais c'est pour la mise en scène. Viens je viens à gym. Je t'attends <laughs> <provoquer> mon gym. viens me <laughs> provoquer gym. Je Je, je, oh, bonne idée. je lance, je fais un jeu? bruit. Tu veux, tu veux que ça s'arrête? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais te voir. Je t'écoute. OK, ça fait comme si c'est comme ça. Tu me fais attention là, parce que là, si tu lances tes pots comme ça, tu peux briser le matériel. Ça demande juste de faire attention. Le matériel, c'est moi. <laughs> mat je savais que Le matériel, c'est moi. Mais ben moi je t'avertirais une fois. Si tu le refais, je te je te Je dérange qui? Ben tout le monde. Tu es, es le seul qui m'aime parler. <laughs> ben oui, je suis le seul. <rire> <rire> Reste, tu <m> <laughs> Là, je me battrais. Je monde, me battrai, je me battrais. <laughs> tout le monde a du courage, on est, trop, on est Après trois interventions. Mais, nous, mais sérieux, au gym, c'est ça. Le moment où je suis allé beaucoup, ces personne, la personne va aller voir. Moi, je vais voir. Mm -hmm. moi, ça mais j'admire ça. J'admire ça. Mais tu ça. dis c'est ton gym est-ce que tu es propriétaire du gym? Non, ou c'est le gym. où tu. Ok, parfait. Je trouve que c'est un gym qui est. Je... La clientèle est super le fun. Mm -hmm. C'est que c'est le gym. Super le fun, super euh... respectueuse. Mm -hmm. Puis il y a juste un autre fois qui arrive et commence à c'est pas. Tout le monde est comme mon Dieu! Tu sais, vraiment full outré, là. Ouais ouais. <laughs> ok. nos fitness, là, lui il crie, fait ça faire là ça c'est normal. Ouais, ça, ouais. j'en vois tout le temps. Ouais, ouais. C'est pas mon gym, Ils peut faire qu ce qu'ils veulent. Ouais. Puis ça brise le matériel pour vrai. Il criait, gabochait. Ouh, puis il faisait ça. Mais en c'était tout. t'as c'était quelque Je suis à Québec, là. Mais... quand je vais à Québec, je fais, c'est ma ville. C'est ma ville, <laughs> Québec. Il y a beaucoup de monde comme moi. Et j'ai m'appartient ici. Ouais. Mais euh, ben, tu... vous. vraiment tu avec moi, mais quand on va à Québec. Je suis motivé. Je suis pas bon là-dedans, mais je suis motivé. Me... Alors, ah, c'est ça. Euh. Tu as un emploi. Ouais, oui. Tu travailles dans une prison. C'est comment, ça? C'est différent. C'est quelque chose de. Je veux c'est un emploi qui est quand même euh, lourd comme atmosphère. Tu le sens, comme je disais tantôt. En tout cas, tu sens là, le niveau de lourdeur qu'il y a. C'est quoi ton. Est-ce est que tu es gardien de prison? Oui. OK. Tu vas appeler ça agent des services correctionnels. OK. Là, qui dit gardien de prison, les détenus vont dire qu'on est des screws. Oui. Grosse tune, le screw d'ailleurs. Ouais. Ouais. Grosse tunne et C'est une job où tu fais une carapace, je te dirais. Quand tu rentres, tu, tu deviens quelqu'un d'autre. Quand tu sors, tu enlèves ce carapace-là, tu laisses ça là. Brilliant. Parce que ça amène beaucoup de. de C'est beaucoup de négatif, je te dirais, comme euh, lieu de travail. Moi, j'adore ça, mais il faut vraiment que fait pour ça. Parce que, tu sais, on va dire, il y a beaucoup de, 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 de choses qui vont se passer que jamais tu pensais qu'elles allaient se passer. Ça mm -hmm. va dire. Euh, il y a des choses que tu vois, que tu fais genre, wow, OK, ça se peut, ça, là. Tu sais, c'est quelque chose, là. Puis, tu sais, les détenus vont tout le temps te tester. Si tu dis qu'il y a une clientèle quand même euh, différente qu'une clientèle, tu peux pas faire OK, bye. Tu sais, ça là tout le temps ta face, là. OK, c'est mm vrai. -hmm. Fait c'est ça. Fait tu es défié à beaucoup de, 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 de choses dans, durant la journée, là. Quand tu es défié, c'est quoi ça? Tu es défié, c'est quoi? Mis à part acheter des poids, <laughs> euh, défier, c'est ils testent. Maintenant, tu es nouveau, ils vont te faire lever pour n'importe quoi. Euh, des demandes, euh, ils vont faire chier. Euh, ils manquent de repas, c'est pas vrai. Euh, ils, mm -hmm. vont faire, ils vont faire de la merde, ils vont faire leur merde quand tu es su en chiffres. Mm -hmm. Maintenant, s'ils abattent un gars, ben, ils vont le battre pendant que tout est là. Parce qu'ils savent que ça te fait chier. Parce que tu fais des rapports, puis tu contrôles la situation. Pis, euh, ah. Eux, là, euh, si t'aiment pas, là. T'es in for a long ride. Cool. Parce que tu travailles toujours. Parce que dans le fond, nous autres, on signe des contrats à chaque trois ans. Okay. On change de secteur. On peut changer. Nous qui restons à la même place, à un moment donné, ben, on a la même clientèle pendant trois ans. Mm -hmm. Moi, j'appelle ça, c'est ça, c'est mes petits gars pendant trois ans. À un moment donné, faut tu impliques euh, un signe de, 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 de respect envers mm -hmm. eux, puis eux ils me respectent. Et moi, ça va super bien parce qu'eux, ils ont compris comment je marchais. Mais tu sais, quand tu arrives au début, là. Mais bon, tout ce que je connais de la prison, moi, c'est mon père a un stage à l'université, dans une prison. Un de ses stages, était okay, allé en prison. Ouais. Et un truc qui l'a abasourdi, puis y avait tellement de peine. Un, il y avait un gardien de prison qui était particulièrement gentil, qui est super doux avec les prisonniers, puis à l'écoute des prisonniers. Puis pendant son stage, c'est lui qu'on peut gardé. Oh, oh, wow. Ouais, Poignardé avec ils ont fait une espèce d'arme. Ouais, c'est le peu plus peu. doux. Tous ceux qui, ce qui criaient, puis qui étaient bêtes. mon père disait, ils, 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 ils sont méchants, c'est reste des êtres humains. Puis quand il a vu le gars gentil faire il fait... « Ah, mmh. C'est horrible, mais je je, il a compris pourquoi tu peux avoir cette attitude-là, parce que c'est une, une manière de se protéger, c'est une manière d'instaurer. Oh oui, mmh. c'est ça. T'sais, on va dire, moi, il m'appelle Monsieur Sourire parce que je souris jamais. Wow. Ouais. Wow. Ouais. Mais tu accepté de même de même ça, c'est ça. Comme tu dis, il faut vraiment que tu te fasses une carapace. Ah, oui. que... Fait que là, toi, acceptes que c'est ton nickname, puis. Ben, tu sais, là, vu que je suis beaucoup médiatisé, m'ont vu beaucoup. Mmh. Puis je te dirais, ça n'a jamais fait d'inconvénient à ma job. Mmh. Ils sont plus fans, je te dirais. Bonne affaire. Ah. Oui, c'est une très bonne affaire. Peut-être jamais... qu'ils voient une autre facette de toi. Exactement, puis... je pense que c'est ça aussi. Ouais. Ah, tu ça qui un un pour peu. vrai. c'est lui ouais. ça, il dit, sérieusement, c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu fais? puis j'admire qu ce que tu fais. Mm -hmm. C'est cool, tu sais, il dit, ah, je comprends pourquoi tu es de même. Parce que tu sais, qu'est-ce ouais. qui arrive? C'est qu'il y a beaucoup de... Maintenant, il y a 25 gars qui t'attendent durant la journée. ça un peu le 26e, tu pètes les plans. Uh -huh. c'est lui le plus gentil de la gang. Uh -huh. C'est ouais. une accumulation aussi, là. Il tu sais, comment gérer ça, gérer tes émotions, comment y parler. Puis c'est ça, c'est tout le temps là. là. Les... Ça fait combien d'années que tu fais ça? Fait ça 13 ans. Est-ce que, tu sais, tu sens, j'imagine qu'à chaque année, tu apprends encore ce métier-là, ben parce oui. que c'est ça, tu évolues avec des humains euh, qui ont des personnalités parfois assez extrêmes. Ah oui. Fait que j'imagine que, tu sais, va ça vaut beau faire 13 ans que tu fais ça, tu vas vivre des situations encore aujourd'hui, tu vas faire comme, hé hey, tabarnage, ben je n'étais oui. pas préparé pour vivre ça, mettons, là. C'est capoté. Des fois, tu penses, eh, bon, je pense que j'ai tout vu, ici, là. Et non, il y a tout le les temps des trucs. Te te tu une batterie trois dans l'urette, tu fais hop! Dans euh, l'urette! quand même tranquille cette soirée, là? Wouh! Oui! Tu sais, au début, manger des excréments, moi, c'était comme wow! Mais ça c'est ce Attends, on va revenir à ça. <laughs> euh, quoi? <laughs> non, ouais. la situation, c'est capoté, là. Pourquoi, pourquoi ils font ça par signe de ils rébellion? Ils ont faim, c'est pas bon. Dans... Je sais pas si ils ont faim, toi, mais c'est quoi? Ouais, pourquoi ouais. Rebellion. — c'est ça. Ouais. Juste pour. Euh... Juste pour nous faire chier, ouais. tu sais. On va dire c'est pas moi qui mange la merde, c'est lui ouais. C'est capoté là. Wow. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Plein de questions par rapport à la prison. Comment ils font rentrer du matériel de l'extérieur de la prison à l'intérieur Je te dirais les premiers temps c'était des balles de tennis. Ça c'est hum. la vieille version qui que vous avez peut-être entendu, ouais, par des cours. — Je sais pas ce que tu fais, tu fais. Un petit trou. Hum. Oui, oui, okay. je a une balle de tennis, ouais. ça. Des right. puis, donné, il ça. La monnaie a eu des périphéries, il a eu des périphéries. Il a eu plus, plus surveillées, des clôtures enterrées aussi, puis ça. Ils arrêter de faire ça. Puis, les gars se faisaient arrêter. Fait là, mm -hmm. à un moment donné, après, il a commencé à rentrer ça, des semelles de souliers. OK. Quand tu coupes la semelle, tu, après, tu la recolles. Ah. Ouais. Beaucoup l'anus, les gras, les piles de gras. Ah! Oui. Un qui est capable d'avaler, puis cracher après. Ah, oui, oui, Des oui, sacs, oui, là, oui, 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 des capotes. Oui. C'est beaucoup de. de. de, 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 de ça. Wow. Là, la grosse affaire, c'est le drone. Ah, oui, ben oui. Beaucoup payant, beaucoup payant pour les chauffeurs de drones? Ah. Toi, tu es chauffeur de drone. Là. Moi, je te dis pas qu'est-ce que j'ai. Tu peux, tu livrer ça à la présent. Oui, oui. non, je te donne 10 000. Non, ok. C'est bon. Prends quelqu'un d'autre. Comme ça. Ah. Moi, ça rien. puis, c'est ça. Ils dropent ça. Puis, ils mettent comme des euh, spaghettis de, de, de piscine là, autour. Là, oui. puis, ça boue. Ça rebondit. Ça, ça brise pas le matériel à l'intérieur. Uh -huh. Il y a des sacs, ça rentre rap euh, serré, 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 serré. serré. C'est des boules. Puis ça, c'est des boules individuelles qui font, maintenant, plusieurs commandes. Les gars sortent dehors, ils mettent du beurre, spoup », direct dans l'anus, ding dong. Wow. C'est quoi les armes qui ont pris ça? <laughs> Artisanal, beaucoup. Comme mm -hmm. quoi? Ben, mettant des brosses à dents super pointues, des couteaux, des plastiques. Des fois, ils brisent des métaux qu'on voit pas, des accessoires de frigidaire. Eux, c'est mm -hmm. vraiment euh, tabarouette, faire des choses. Quelqu'un m'avait, ce que, Arrêtez, ai, du temps. que entendu sur, sur YouTube, c'est exactement ça. Les gars ont juste ça à faire, réfléchir à comment… Il, il avait dit « m'a trouvé un moyen de faire rentrer ouais. quelque chose, j'ai juste ça à faire, passer un, une tactique ». Il y a des cellulaires aussi. Mais non, des cellulaires. mini-cellulaires. Ah! Oh. Ah ben oui, rentrer des drones, avec les drones. Fait que là, ils ont accès à Internet avec ça? Mais ben, il ils peuvent appeler Ils peuvent appeler, Internet, ça dépend, il faut être un petit peu plus gros, avec une écran tout. Là. ça c'est oh. plus… Euh, mais ouais. il, peut... ouais, il y en a qui ah, c'est vraiment impressionnant. Puis des fois, il y a des agents comme nous autres qui rendent des affaires pour eux. Ben oui, il y a des gens qui ça. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ils sont beaucoup sudoyer, puis c'est de l'argent, puis il y en a qui couchent avec les détenus, puis ça arrive, ben oui. Oui, les femmes détenues. Ils font leur rentre de nuit, puis ils rentrent dans une cellule. Wow! Quel monde! Ça, c'est capoté. Comment tu as commencé ça? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Mali, tu fait, j'ai le physique pour euh, Let's Go? Non, euh... pas le physique, je te dirais que j'ai fait un stage aussi. Okay. D'abord, moi, je travaillais des jeunes à problème avant. Puis euh, là, après, j'ai m'a regardé mes options sur allait. parce que moi, j'ai étudié en technique intervention de délinquance. Okay. Ça touchait un peu tous les milieux. Puis j'ai décidé, dit, oh, je vais aller voir à présent pour ça, puis ça m'intéressait puis à long terme, fente de pension, sécurité d'emploi, on mm -hmm. pense pas qu'il va manquer de job, tu comprends. Fait mm -hmm. je dis pas bah, je, vais. <rire> <rire> je, vais, je vais. puis là j'ai gardé les options, puis j'ai commencé à, là puis j'ai ai super aimé ça. Ah ouais. Ouais, faut bah, comme je te dis, il faut euh, t'aimer ça là, parce que là on, ailleurs, là, on a band, est ailleurs, on est dans une bandes. c'est Comment tu es capable de faire la coupeur, tu sais tu dis tantôt quand tu sors de là, faut c'est comme si tu enlevais un costume quasiment puis ouais. tu laisses les problèmes de la prison à prison puis J'aime tout suite. Ouais ouais. Moi je te dirais, je suis né à 4h, 3h30, je suis au gym, moi, déjà dans ma tête. Là, je suis allé les pecs à soir, je vais faire le bench press avec ça. Moi, je suis plus là. Je te dirais même à 3h, moi je suis plus là. Pose des questions. Demain, fini. Moi, mon chef est fini. Puis tu sais, je les projets que j'ai à l'extérieur, ça me Ça, c'est ma job. Ça m'a coupure. Wow. Ouais. Nice. Comment ça fonctionne en La dynamique la dynamique de prison-ci. Un truc qui me fascine, moi, c'est. Il y a beaucoup, beaucoup de groupes de gangs en prison. C'est-à-dire que... cest vrai, ça, qu'il y a des gangs en prison, il y a des gangs de six Montréal, beaucoup, oui. Pas dans ton bout? Mmh. Moins. Beaucoup moins. OK. Mmh. Est-ce que c'est possible de rentrer en prison? Mettons, faire un shift. Un shift, là, Faire un, une sentence de okay. six ans. Oui. Tu parles à personne, tu vas à la bibliothèque, tu restes dans ta cellule, tu es concentré ou c'est impossible, on va t'approcher? Ah, tu vas ouais. t'approcher. Ça dépend. T'as-tu des médicaments, t'as-tu des thèmes, t'as-tu quelque chose à donner? Mm -hmm. ouais. Les thèmes, c'est beaucoup populaire de nicotine, nicoderme. Comment ça? Ils fument ça? Ben, ils sont dépendants à la cigarette, puis là, ils en manque. Ils fument des. Mais non, enfin, il n'y a plus de cigarettes à prison. OK. Présent plus de cigarette, nicotine. Pogne la patch, coupe ça en lanière, pogne du papier, prends du euh, de la confiture pour juste coller le papier ensemble. Mettre la page de nicotine, la languette dans le fond, mettre de, euh, du thé. Ferme la chose ensemble. Ouf, des yeux. <laughs> Mucho money. Mucho money. OK, avec si moi je rentre en prison, on va m'approcher pour des thèmes si j'ai de la nicotine. Ouais, va... ben, premièrement, il va demander. Tu sais quoi? Il va demander, il va chercher des thèmes. Je va se dire, ouais, mais moi j'ai dit je ne fumais pas. Mon calice. À... Il faut que tu fasses demander. ça. Parce que ça, c'est sous prescription en plus, les thèmes. Les oui. thèmes, c'est ça. Mais quand tu rentres, tu dis, moi je suis fumeur à l'extérieur, ouais. blablabla. C'est ouais. bon, on va prescrire des thèmes. Ah, c'est bon, merci. Il okay, okay, donne des okay. thèmes. Et là, à un moment donné, euh, l'autre, il veut des thèmes. Oui, oui, oui. Puis des fois, c'est ça. Il y en a beaucoup qui n'en veulent. Puis ils en veulent. Mm -hmm. bon, de toi, tu vas chercher des thèmes. Je peux te une prescription. Tu fais Ouais, mais t'as dit que tu fumais pas. Ouais, mais là, euh, j'ai commencé. Là, fumé, Je ouais. me trempé, j'étais stressé. Puis là, tu fais une demande à l'infirmerie. Puis l'infirmerie te donne ça tous les soirs et elle donne des thèmes. De fait que t'as pas le choix de devenir une espèce de bébé, de t'intégrer dans la société. Je te dirais qu'ils ouais, pas le choix, c'est ça. Là tu sais, il y a des secteurs qui sont plus durs que d'autres. Il y a mm -hmm. des secteurs qui sont super tranquille, super respectueux, les gars se respectent. Il y a d'autres, ça joue plus dur. Mm -hmm, mm -hmm. Bah bon, ben tu veux-tu la protection ici? Ben là, je sais oui, pas. Là, ouais, là. Bon, ben là, il faudrait que sucerais, souscerais. C'est cool. Là. Ouais. Ah ok, 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 Ouais. Ah, OK. Ou genre euh, de moi tes chips, de moi ta cantine, de moi tes. Euh, mm -hmm. Ils se battent pour parce qu'ils mangent trop de, de tranches de pain, là, imagine, là. Ah ouais. oh oui, ah, oui. C'est ça aussi leur vie, leur condition. Ah oui. Puis aussi, j'imagine qu'il y a aussi un aspect de je veux te dominer. Fait que je vais prendre oui. n'importe quoi. Je oh oui, il y a dominant dans chaque wing, là, Dans chaque euh, Oui, il y a dominant ah. là. Mm -hmm. ça marche mal, Et tu parles à lui, là. Ah! c'est vrai. Ah, tu as vécu une émeute? Oui. Wow! On t'écoute. Ben, une émeute, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait brûlé du stock. Puis là, il avait commencé à brûler des matelas. puis il a brûlé. Mais est-ce qu'il y avait une, rev une revendication ou cétait qu'est-ce qui s'est passé? Non, il avait défoncé la porte durant la nuit. En fait, là, la porte était comme défoncée, puis là, euh, il a comme défoncé la porte du fond qui sépare les deux secteurs en, en l'autre. Puis il avait accès à toute la wing pendant la nuit. Mm -hmm. La manie, il y avait comme un morceau de métal, de je sais pas tout je qu'il a trouvé où, puis il vargeait partout, puis il cassait des fenêtres, puis euh, il cassait tout. La donné, il y avait du feu mélangé à ça. Comment tu réagis quand il y a une émeute Tu l'émeute, pas ben arrêté l'émeute. C'est ça plaît. aussi, là, c'est ça que tu vois les de quelqu'un qui capote. Tu sais, ça dire, moi, deux gars qui se battent, moi, ça va. Moi, je comprends. Same old. Ben oui, mais là, les toi, c'est ton quotidien, depuis tellement arrêtez, de temps. Arrêtez, là. <laughs> ouais. est, -ce, est -ce que tu mettons ton hebdomadaire une bataille Eh, hey, ben oui. Ah, c'est ce qui arrive. Donc, ça. Je pense que ça arrive quasiment euh, ben pas tout, tout le temps dans la même place là. mais tous les jours il arrive de quoi. Là. Ah ouais ouais. Du monde majeur à arrive, mineur, là. mineur à majeur, mais ça dépend c'est quoi qui qu qu se passe, mais il arrive tout à de a des d'événements, des hôpitaux parce que le gars se fait. Puis tu sais, c'est jamais un contrat un, là. Mhm. Ah, c'est pas comme au hockey ben. Oui. <laughs> Moi, j'étais convaincu que c'était l'honneur <laughs> puis oh mon dieu, ben non, oh, ben, ben, ben non. Il y a un code Là, tu dois un sac de chips là. Fait que non, ouais, OK, trois quatre dessus, bon. Ah. Euh, Pour un sac de laise. Euh, wow! Ben oui, ben oui. Ben... Wow! Ok, les Oui. Fait que là, il y a il y a plein de Moi, j'aime que tu as pensé qu'il y avait une revente. Tom, à chaque fois qu'il voit. L'autre jour, on est passé sur l'autoroute il y avait un container en feu. OK, on monte la quête. Aïe aïe, on était à Laval, à hauteur du cosmodome. Aïe aïe, je suis sûr qu'il y a des revendications politiques. J'étais comme Thomas, il y a un container <laughs> en feu ça a 15 à Laval. Premièrement, tout le monde vote libéral ici depuis toujours, OK? Tout le monde, a... puis on a voté Vaillancourt pendant des années. Personne n'a des revendications à Laval. On accepte de se faire crosser depuis toujours. Personne revendique quoi que ce soit. <laughs> Là, c'est juste un container en feu. C'est comme Cosmo élu. Sûr, est ça y est, ça y est, on va devenir un vrai pays. Vrai. Ouais. On va devenir on un la pays. Fini Trudeau, fini Trudeau. C'est terminé. On est debout. Les gars de prison, bon. hey, ils doivent avoir des revendications, il hey, y. Il y ils sent, rien. Autres, Nous, ils revendiquent souvent des autres. Ils revendiquent savent savait pas des fois qu'est-ce qu'ils revendiquent. Ben oui, mais on veut euh, on veut écouter la game de hockey plus longtemps. Mmh. Mmh. Voilà, allez vous coucher. Non ah. <laughs> ça, ça, les gars. Ça, ouais. OK, ça ça, C'est Des fois ça arrive. Là. Ah oui, c'est clair. Oui, parce que tu as. Minutes, la gagne de venir, là! Non, non! non, <laughs> non oh, oh, arrêtez, là! Ah, je comprends! Je ouais, ça comprends! Va, ça bouge va, va demain. même. Comme des enfants. Hein, oui. des, moi, mes, je m'appelle des gros bébés, là. Mm -hmm. Je dis, les gars, sérieux. Mais tu sais, moi, ce que, ce que j'aime, c'est que des fois, quand tu as un lien, tu sais, des fois, je suis parti dans la bouche, je reviens. Hé, fais quand tu pas vu, t'es es où? En mm -hmm. voyage, puis là, hey, je t'ai vu à la télévision, c'était hot. Oh. Puis oui, oh, ils viennent attacher à toi aussi, dans le sens, mm -hmm. un lien de confiance qui se crée, là. Mm -hmm. Pour ça, moi, ça marche bien parce que moi, je. Moi, moi, je suis super respectueux avec eux puis ils sont super respectueux avec moi. Mm -hmm. T'as-tu déjà vécu ça? Mais mon, mon père, une fois, euh, a vécu ça. Il avait, euh, dans ses ateliers, il y avait un gars super silencieux, délicat. Puis je ne comprends pas pourquoi il est c'est Je ne comprends, -ce comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Venez manger, je plus voir son dossier puis c'était le plus violent qu'il n'y avait pas. C'est lui le plus euh, tranquille. Mm -hmm. ouais. Ah ouais Oui, il y en a. Là, des, euh, ben, maintenant, tu parles euh, maintenant, des, des « else », je ne les entends pas. super respectueux, super gentils. Mm -hmm. ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? On sait-tu? Pourquoi soudainement... Seigneur, ou... Je sais pas. Ils deviennent... veulent la paix aussi. Là, mm -hmm. Ils sont en prison, ils vont faire leur temps et avoir la paix. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Parce que, tu sais, des fois, en prison, des fois, ça crie, ça, 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 c'est sale, les gars ne se ramassent ah ouais. pas. T'sais, eux, ils arrivent dans le secteur, tu fais genre, OK, les gars, ça va changer. Là. Mm -hmm. Moi, vous ne parlez pas à... pas de laveuse chasseuse à 10h le matin, pas de douche avant telle heure, pas de criage, pas de TV, pas de... Il y a des règlements aussi, eux, là, tu sais, mm -hmm. c'est... Tu voulais gérer les affaires. C'est pas nous qui gères ça. C'est Charlie Murphy, le frère Lee Murphy, qui a trépassé, qui a fait de la prison. Une fois, il comptait ça. Il dit La prison, c'est tellement bizarre. Puis il expliquait que les gars, pour se parler, ils se parlaient dans les toilettes. Oui. Puis il expliquait Moi, là, j'ai jamais voulu parler à quelqu'un assez fort pour parler dans une toilette, man. Je préfère être tout seul avec mes parents. Ah, c'est OK, tu parles dans ta toilette, puis ça résonne dans l'autre. Il va faire des canapés, qu'on appelle, qui va transférer des produits du stock jusqu'à l'autre toilette en bas. Ah, wow. C'est des tuyaux qui se rejoignent. C'est hallucinant. Ah ouais, mais en même, ça même crie, temps, t'as tellement de temps. Ah oui, il moyen. trouve tout. Là. Mais oui, c'est clair. Il casse les fenêtres, il passe ça des fenêtres. Ah, je te dis, il trouve hey, tout. Le tout, tout, le tout gars, ça. le gars dans en fait shang Redemption Redemption, il a découpé les pages d'une Bible une par une pour que son outil rentre dedans. Puis toi, t'as-tu vu ce film-là? Tu devrais. Un film de prison. Mais ça oui, excellent. ça. Peut-être qu'il veut vivre autre chose. <laughs> Attends, Quand tes il relâche <laughs> <que rire> un film <laughs> de prison. Là, bien un un que anxieux. vague. Je sais que les gars font ça. Mais qu'est-ce qu'il fait aussi? Mettons, un père, là. Ouais. Ils mettent. Fait des trous dans les tranches, puis mettre des choses là-dedans, puis cacher là-dedans. C'est là. Rien. Correct, là. <laughs> ben oui, c'est ah oui, clair. Ben oui, tu checkes up peu. Bon, correct, ça, c'est un pain, des tranches de pain. Ben non. Oui, quelque chose à l'intérieur. Ben non, c'est clair. C'est ça. C'est capoté, là. Hey, eux, sont, mais chaque euh, jour à l'époque. Eux, ils sont job, genre, pris ça. Ben, ouais, pas tant. Non, non, ils sont ingénieux, non, mais non. C'est pas les. As-tu déjà vu des surdoses? Oui. Parce que ça ne doit pas être la drogue la plus propre du monde qui se retrouve en dedans? Non, c'est ça. Des fois, ils font des... Des fois qu ce qui arrive, c'est qu'ils prennent les médicaments des autres. Mm. Ils taxent beaucoup, hein? Ils prennent la médication des autres que là. Euh, tu prends quoi? Ah ça, moi, bon, correct! Là, ils commencent à. Ils se sentent plus là. Faut y ah, hey, il faut aller chercher ça. Il a tellement d'affaires qui arrivent, là, c'est capoté, là. C'est. Euh, fou. Fou 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 fou. Font pas attention, des fois, c'est. Ils sentent tellement de. tu comprends, t'es tu sais, enfermé, t'as aucun contrôle sur rien, là. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis ils vivent des choses à l'extérieur contrôle zéro. Ah oh, ouais. Tu sais, t'es malade, tu t'es pas chez vous, t'es pas de temps lit, les gars crient, mais des fois il y a des places, ça manque de respect. Là, je peux t'aller voir l'infirmière, mais là, ça marche pas de même, tu sais, faut que tu prends, tu sais, on a un appel, puis puis ils se fait en voir plus tard, mais des fois, c'est pas là, là. Des fois, il y a une urgence. Quelqu'un d'autre, il arrive à couper ou t'sais, mm -hmm. OK, on va traiter lui. Ouais. Tu vas venir après, ben lui, il en prenne aussi. Il y a quelque chose il hey, Je suis pas bien, il vomit partout, puis... Ah, je te dis, puis là, là, il se bat, puis il n'y a plus de place à l'infirmière. Ah, Des fois, c'est fou, 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 fou fou. Trois, quatre événements en même temps, à l'année tu deviens fou. Là. Mais c'est fascinant. Chaque jour, tu rentres à la job, puis ça va être rocambolesque. C'est ça. Il y a une routine, mais pas en même temps. Mm -hmm. Tu sais, avec les activités, mm -hmm. des choses comme ça. Mm -hmm. Puis, euh, c'est ça. ça. peut arriver quelque chose, tu fais genre, wow, comme une semi-émeute, les gosses battent. trois. ce 4... qui déjà attaqué? Oui. Comment? Ben, tu au dessus, là. <laughs> Juste de même. Genre, puis d'un coup, il saute dessus. Ou il est pas content de quelque chose, puis là, il se met face à toi, puis là, je veux c'est non, non, calme-toi, puis là, à un moment donné, il saute dessus mm -hmm. ouais oh, oui. Il y en a qui explosent, de même. Mm -hmm. Ça, tu fais attention. Parce que des fois, tu es genre, tu fais deux, trois semaines, deux mois, trois mois, il arrive à rien. Tu dis, oh, il m'a des poches. Binks! Ah oh, oui. C'est capoté, là. Ah oh, oui. OK. C'est quoi les trucs qu'un prisonnier peut faire qui peut allonger sa sentence? Mis à part de te sauter dessus? Ça. Ça, oui. Ouais. Ou genre, bris de matériaux, ça fait rien. Ah ouais! Je savais pas ça. Un bout, il casse les fenêtres, ça fait genre 25 fois qu'il casse la fenêtre. Puis la sentence, ça sent même. Puis t'as le gars qui arrive avec le chariot qui travaille. Je dis, comment ça coûte une fenêtre Il me dit du prix. Je moi, je les ferais tellement payer. là Parce qu'ils savent, ils s'en foutent. Eux, ils savent tout. Ceux qui m'énerve, ils savent tout, les tabarouettes. Fait là, tu sais, on va dire, gauche pas. Ben oui, ça change de risque. Ils vont passer en discipline, t'appelles. Puis là, eux, ils vont dire Ben là, euh, Thomas, t'as commencé. Hein, Qu'est-ce que t'as à dire Pas moi. Ben là, oui, c'est toi. Là, là, OK, tu vas pogner tant de jours de trou Là, tu t'en vas dans le trou. Une chicane. C'est comme notre chicane. Les pertes de temps, comme je te dis, il y a juste des attaques ou des. c'est majeur, là. Wow! Okay. Mais c'est ça. C'est facile. Si je, on, tu découvres quelqu'un qui, qui passe. Des coups de, de, de l'extérieur, ça augmente la sentence ou non? Qui a reçu un colis de drone. Bah ben, toi, si tu amènes quelque chose à un détenu, toi, tu vas avoir une sentence. Ah. Parce que tu es responsable ah. de qu ce que tu amènes. C'est pour ça qu'on te fait signer avant de fouiller les choses. Là, on dit, ah. là, vous êtes conscient que là, vous savez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. c'est pas le détenu là, qui ah. va pacter ton stock, c'est toi qui pactes pour lui. c'est pour ça que le chauffeur de drone, il sait pas ce qu'il y a dedans puis il est payé très cher, parce que là, il y a la responsabilité s'il se, se fait pogner. Une... Oui, y a il y a-tu la responsabilité aussi? ça, c'est ça, c'est ouais. ça. Hum? C'est beaucoup d'argent, mais c'est beaucoup de, de. La sentence est quand même. Une pas conséquence, une, ouais, conséquence. une grosse conséquence. Tu payes mm -hmm. pour la conséquence. Ah! Ah, ouais! Là, si tu dis, avec moi des mitaines d'hiver avec des choses puis là, tu dis, mets moi 3-4 cigarettes de… » Ben, tu sais, cigarettes et des nicotines. Je comprends. Ouais. Mais, tu sais, si tu commences à rentrer de la grosse drogue. Hum. Mmh. C'est vrai que. que... Corrige-moi, si je me trompe sûrement. Là. Maintenant, avant, le truc qui était plus prisé, c'est les cigarettes. Maintenant, c'est les ramènes. C'est pas vrai C'est pas vrai Ah oh, mon dieu Je suis il contente Ça ah, dans le neige des ramen. C'est pas vrai parce que c'est une manière de grossir Ah oh. Les ramen, je pense que c'est ça la chose qui se vend le plus Ah mm -hmm. ouais Il est content Parce que Tom T'as-tu commencé à manger ça Il adore les, les vlogs d'anciens gars de prison qui montrent genre des recettes de prison Avec des ramens Avec des ramens C'est vrai Puis c'est vrai. vrai que aussi ce que tu vas en prison c'est Un ouais. pour Un pour ben, Je de la protéine des choses comme ça Ah oh, ouais Ouais Oh! T'as une cantine, t'as une feuille, des choses, tu coches. Chaque <laughs> semaine, une épicerie qui arrive. Salut! Thomas? Thomas? Check-in-sac. Okay. Puis l'argent, c'est l'argent de l'extérieur qu'on m'envoie ou je peux travailler en prison? Pis... Tu peux travailler en prison. Des choses que tu peux travailler en prison. À Buanderie, aux ateliers, des choses comme ça. Mm -hmm. Ménage. Hein? Oui. Pour t'occuper, puis pour travailler. Waouh! Wow. Ouais. Tu es bien payé? Non, hein? 35$. peut avec un fonds de pension. <laughs> Quelques dollars. Mais tu sais, <laughs> t... il y en a qui vident les poubelles, euh, le ménage, des choses comme ça. Puis il y en a qui travaillent aux ateliers. Puis eux, aux ateliers, c'est quand même hot. Ils travaillent dans le bois, des choses de matériaux, euh, métaux, des choses comme ça, métallurgie. quand même cool. C'est des chars, des voitures de police. <laughs> <C 'est rire> ah que c'est bon. Oui. Oh my God. Est-ce que tu sens, est-ce que tu as vu certains prisonniers, mettons, finir leur sentence? Puis est-ce que tu sens ou tu vois chez eux un changement? Est-ce que le, leur il... sentence de prison, <laughs> tu sens qu'ils ont appris leur leçon Je pense qu'ils ont répondu. Qu ils retournent dans je la société un meilleur un citoyen. Un très haut pourcentage est négatif. Il mm -hmm. revient tout Ah! Oh, ouais, ouais c'est triste. Je comprends. Qu'est-ce qui arrive dans les extérieur mm -hmm. C'est qu'en rien, hein, c'est quand même tough là. La dernière fois, il cite. Oui. Et Gilles fait 25 fois là. Oh, ouais. ouais. Tu sais, tu là. Il revient, il revient. Il sort dehors. C'est rare les gens. C'est même des fois, je rencontre à l'extérieur. Ah, ouais. Ah oui? le Hey, ça va bien le main, puis tout puis ça va super oh oui j'espère plus tard on va essayer ça c'est la phrase on va essayer Au revoir. Tu Ça fait longtemps, ça ouais. fait trois mois j'ai pas rentré Nick, <laughs> ça. Hey, Nick, il nique il sortent le lendemain matin ding ding c'est revenu Salut. »« yeah puis il rentre là dedans yeah Richard hey, Perry il avait un ah. une... Richard, un grand humoriste américain Richard Perry il avait une routine géniale sur la prison parce qu'il a filmé une fois un film en prison puis il parle aux prisonniers puis il y avait dit quoi de fou il avait dit, ils font peur. Quand la prison, moi, quand j'étais à l'extérieur, j'étais comme, oh, il faut, faut libérer nos frères, puis let's go, voyons donc. là, quand il rencontre, il disait, hé, tabarnak. Puis il y avait un gars, il disait, il était, il était, il était accusé de kidnapping. Pis il avait dit, mais là, je pense que je sais comment le faire. Là, il dit mon prochain kidnapping, je sais comment pas me faire. <rire> <rire> il mais dit, non, non, mais là, j'ai une technique. C'est pis... tout le temps ça qu'il fait. Là, il dit, là, je pensais, j'étais bon de la technique que j'avais là, moi, je volais, je faisais telle façon, je mettais uh... ça. Il a mis des caméras là, moi, je savais pas. Là, là tu là, c'est juste des petites affaires bien normales, là, mais... Ça, je, je, aussi, ah ouais. plus ça s'accumule, plus ton truc, c'est ouais, c'est des récidivistes. Mmh. Puis, puis juge, des fois, pas content, ça pas qu'elle juge tu pognes, il est tanné de te voir la face. Une étude sais, qui a été faite, ils ont réalisé que les sentences étaient plus sévères le matin que l'après-midi, puisque les juges avaient faim. Ah! Oui, ah, c'est une étude ah. qu'ils ont réalisée. Ah, tu sais, même nous autres, ah. des fois, on dit, « ce juge-là, bonne chance. » Ah, c'est là. Oui, il le monde tout mon tarmac, là. ah, ah. ah 25 ans, c'est qu'on va aller au haut Mais je veux dire un exemple. Là. Mm -hmm. ouais, crinqué, là. Mais tu sais, il y en a qui disent, je te dis, c'est la dernière fois que je t'avertis. Ils reviennent deux fois après, ben là, avant de. C'est ça. Là, faut que tu des, des sentences exemplaires, t'appelles, là. Mais mm -hmm. mm -hmm. ben, c'est ça. C'est euh, capoté. Quel monde c'est tu Parallèle. En il n'y a rien. Il a rien, là. Je comprends. C'est rare que. Ah, c'est quoi, je Même à l'intérieur, des... ils sont mieux encadrés, là. Ah ouais. Il ouais, hey, ouais. y a des médicaments. Ouais, On les ça. réveille pour aller chercher leurs médicaments à l'infirmerie. Ah, ouais, non. non, on n'y est pas de <laughs> Je comprends. C'est triste, mais je comprends. Ouais. ouais. Hey, c'est servi de manger. Ouais, Finalement. Je... Puis... T'es pris en main. Il n'y a ouais. personne qui. Là, je volais des chars. Là, là je vais être vendeur de chars. <laughs> je pense que ça n'arrive jamais de même. Là. Ça arrive jamais. <laughs> ben non, ben non, ben non. Je vais. Ouais. Ouais. Oh my God. Ah, ouais, c'est plate. Est-ce qu'on lit des histoires amusantes? Oui! Oh! Si le segment des dates présenté par Eros et compagnie, un sex shop, si tu as envie de te masturber, si tu as envie de découvrir ta sexualité, hey! d'explorer ta sexualité, va chez Eros et compagnie en ligne. Tu as accès à un code promo de 15 Ouais. Yeah. Couple, couple 15, tu as droit à 15 de rabais. Marco a un jouet. Et euh, pour, euh, le, le, pour ceux qui connaissent pas le concept, les prisonniers qui nous écoutent. <laughs> si c'est ah, enfin, oui. que nos, euh, oh, nos ils auditeurs, ça bien drôle qu on nos auditeurs nous écrivent de manière anonyme <laughs> des dates épouvantables. On lit ça, on rit, ha ha ha. Mais tout d'abord, qu'est-ce que Eros t'a acheté Yes. Je vais l'ouvrir. Ah ben ben oui, tu oui, peux l'ouvrir. Certains... Ouvre-le. Ça a l'air d'un bijou, j'aime ça. Double ouverture, double ouverture. Un bijou. Un bijou. <laughs> qu'est-ce qu que tu penses que c'est ça, c'est anal. Là. Ha <laughs> <laughs> Sur... Sur... <laughs> Y a-tu ça en prison? <laughs> il faut D un drone, P tu, là. Y a-tu tu, tu le commandais à, à la cantine? Oh, ça, c'est anal avec un. Diz... Tu un je, oui. je pense. Oui. Mais ouvre-le. Il n'y pas peur. Ben, il oui, peur, là, ça te regarde. Là. Le mur, le mur le Je pense que tu peux l'enrouler autour de ton pénis, puis une section qui rentre dans ton anus. Là, c'est partout, là. Oh, yeah. Wow. Ah, oh, c'est très beau. Ah, oh, puis il y a une manette. Y a une manette. Fait que tu peux donner à ton manette. prisonnier préféré. <laughs> tu peux dire au prisonnier, gars, si vous êtes faim, les gars, puis vous couchez à l'heure, je te donne la, la manette. Sur direct. Ouais, ouais, pas de niaisage. Puis le pénis. Wow. Ouais. Les gosses aussi ou. Ouais. Ah. Non, c'est bien pensé. Ouais, ouais. ouais. Ah, bah, ouais. Ben, amuse-toi bien. Ton Marco... prochain match de aussi, tu peux mettre ça? Mais... <laughs> ça à Boston! Grand... <laughs> ta, ta prochaine gig à Boston! Hey, mais tu peux dans te mettre le ça. Non, ça n'existe plus, ça. Là, ah, Boston. oui, non. Mais ça existe encore à Boston. Ça oui. n'existe ah. plus, mais <laughs> oui, je comprends. Ok, je commence par quoi, vraiment? Hein? Euh. Bon. La plus longue. Parfait. Marco, est-ce que tu es prêt à entendre une histoire extraordinaire? Ah, ça, ça me fait capoter, ça, j'ai hâte. On part. Salut gang, je vous écris ma date qui m'est arrivée tout récemment avril 2023. J'ai rencontré un garçon via Grinder au début du oh. mois. Très rapidement, on décide de se rencontrer. Il m'invite chez lui et n'ayant pas de voiture, je dois prendre le transport en commun. Je vis à Gatineau. J'ai il faut absolument que je pose la question. Y a-t-il des prisonniers sur Grinder et Outender Ah ben là, c'est pas. OK. Peut-être. Me demande ils vont sur l'air mais la photo bref. Ah. ah bonne question ça. Ouais. Tu leur demanderas. tes un peu. Moi, je suis pas familier. Grinder, c'est pour. c'est gay. Oui, c'est ça. Oui. C'est comme C'est comme un Tinder. C'est un Tinder gay, mais c'est un peu plus. C'est un peu plus hard, oui. C'est des hommes qui décident de se dire qu'ils s'apprécient. Oui, oui. Tinder, tu sais, des fois, tu veux tu veux chercher l'amour, mais Grinder, c'est que tu cherches du cul vite, pas loin. Alors, transport en commun. Je vis à Gatineau et le transport en commun ici est vraiment mal organisé pour une exclamation. Et après un peu moins de 75 minutes dans un bus, je finis par arriver chez le gars. Il m'ouvre, c'est exactement le gars sur les photos. Je dois avouer avoir toujours une petite peur des catfish. Tout se passe bien. On écoute un film et on finit par baiser. Tout est super bon. Seul hic, c'est qu'il est royalement ennuyeux. Je ne prévois <laughs> pas le revoir rapidement, mais le verglas me prive d'électricité et il m'offre gentiment de passer la nuit chez lui pour ne pas geler chez moi. J'accepte et je me rends donc à nouveau chez lui. C'est à ce moment-là que tout arrive très ennuyant, mais cette fois-là, avec de la boisson dans le nez, c'est encore pire. Il me raconte des histoires plates. Je ne peux pas en placer une et à chaque fois que j'essaie de faire une petite blague, il ne la catche pas et il y a un long silence qui s'installe. Yes! <laughs> Ça, c'est vrai. Moi, je suis à l'aise avec les silences, lui, clairement pas. Je lui demande si je peux prendre ma douche et me préparer pour une nuit de super bon sexe et il me dit « Pas nécessaire de te préparer, je fais le plus pour bottomer ce soir. » passons au tour. « Dommage, ce gars-là a une graine d'un dieu, mais bon, je pourrais toujours le sucer et je m'évite le passage par la poire. » On vient je de comprendre pourquoi il endure les, les, les jokes plates. Puis il endure qu'il n'y ait pas de conversation. C'est malade. Mais le fait que ces deux gars, j'avais je, 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 pas... Oui, Grinder. je euh, moi Grinders, mon ami, ne peut pas être plate. Mais... <laughs> C'est je. C'est assez Grinders. que, moi... que tu, vas, ah! tu vas pas être très populaire sur Grinders, <laughs> ma chérie. Je saute tout de même dans la douche rapidement. Il y va ensuite à son tour, mais ce n'est vraiment pas long. Genre, vraiment pas assez long pour quelqu'un qui va bottomer. <laughs> je lui fais gentiment remarquer et mentionne au passage que s'il a changé d'avis, je peux aller me préparer pour lui. Il me dit que non, qu'il ne sent pas qu'il en a besoin. <laughs> je reste sceptique. Il se connaît mieux que moi. On commence et les choses deviennent très rapidement très hot. Il finit par s'asseoir sur ma graine et les choses se passent super bien. Après un moment, je lui dis que je veux vraiment le sucer. Il se redresse donc et se place pour que je puisse procéder. Je mets ma main sur sa fesse pour l'aider à se placer et sans m'en rendre compte, j'apporte ma main vers sa graine pour la tenir en le suçant. Au même moment, je sens une odeur épouvantable me monter au nez. Je le pousse de sur moi et je cours à sa salle de bain. J'ai une vision d'horreur en me voyant dans le miroir. J'avais la même moustache que ce célèbre dictateur allemand, mais de marde. Ah yes, j'adore. Un petit square de marde. Ah! J'essaie de me calmer pour ne pas vomir dans son évier. Je me passe de l'eau dans le visage. J'essaie d'enlever le tout. J'en vois sur ma main. C'est vraiment dégueulasse. Puis juste en dessous des narines là. C'est un beau peu. te laver, on dirait que ça va sentir toujours. Il vient me demander si tout est correct. T'es tu, co t es -t es -t es -tu <laughs> correct T'es tu correct avec la main, <laughs> <en tout. rire> extraordinaire. Je lui dis que pas vraiment, qu'il devrait checker ses draps. Il comprend tout de suite l'enjeu. Je lui dis que j'ai besoin d'une douche. Et il me dit qu'on pourrait la prendre ensemble. <laughs> c'est pas le temps mon chum. pas le temps. Non c'est pas le, le temps. Vraiment... Je lui réponds que, normalement, j'aurais trouvé l'idée très hot, mais que je n'ai pas vraiment envie d'être là quand il va se nettoyer le cul. <laughs> je tiens à préciser que je ne suis pas du tout choquée par la situation. Super. Quand on va jouer là, ce sont des accidents qui peuvent arriver. Mais je le préviens... Que il est il super centré la danse, mais dans la douche, euh, Mais je le préviens que s'il veut qu'on continue, c'est un lavement en bonne et due forme qu'il doit faire. Il accepte et le fait. Je retourne dans le lit je vérifie qu'il n'y a pas eu de, de, de dommages sur les draps. Tout est beau. Il revient. On recommence depuis le début. Je suis un peu soulagée en me disant que rien de pire peut arriver. Mmh, yes, ça veut dire quelque chose de pire. <laughs> erreur. Yes. C est, c est, c est erreur. <laughs> il se met à me, à me sucer et en voulant m'impressionner, j'imagine, il se met à me faire une série de deep throat. <laughs> C'est ça. ça. Oui. Oh non, je n'ai pas une immense queue, mais dans le fond de la gorge, c'est assez pour se mettre à gag. C'est exactement ce qui arrive. D'un coup, il se lève et il court à sa toilette. <laughs> je baisse mes yeux et je vois la catastrophe. J'avais le contenu de son estomac sur la queue et les hanches. Il y a vomi, tu dirais. Que... Là, faut il faut qu'il a regardé pour constater ça. Tabac. Oui, <laughs> il pas ça. Les gars. M'a checké, m'a checké. Mais là, quel est le ça... Les odeurs. Sérieux, les odeurs, ça m'a déjà arrivé. C'est terrible. Il revient en me disant: Ben là, reste pas là, va te laver. Je te suce pas si t'es plein de vomi. No fucking shit, man. J'aime qu'il le fait sentir mal. Il le fait sentir mal. Mais là, il va te laver. là. Franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Gars, là, il y a des petits motons pis tout, Chris. C'est épouvantable. Ah! Je lui dis que s'il ne m'apporte pas une serviette, je vais en mettre partout sur son lit. Oui. Il m'en apporte finalement une et je saute dans la douche. Autant un accident peut arriver quand on va jouer par en arrière, autant celle-là, il l'a provoquée. Oh! Mmh. Après ma troisième douche... Il va <laughs> d'eau chaude! <laughs> <L> <laughs> dans le lit. Juste un rappel que je suis pognée là, qu'il n'y a plus d'électricité nulle part, encore moins chez moi, et que si je veux pas dormir en dessous de ce qui je dois rester là. Il me demande de le sucer. Je dis oui, juste pour qu'il me sacque patience. Il finit par venir. Je me dis enfin, c'est à mon tour de venir. On va oublier tout ça et au moins, je vais bien dormir. Comme je commence à me toucher, il me dit, essaye de ne pas trop bouger. Je suis fatiguée, je veux dormir. J'adore ce gars-là. Il n'est jamais venu. J'adore. Le gars m'a chiqué dessus. Il m'a vomi sur la queue, il rate et il pète toute la soirée. Je le fais venir et il a le culot de me dire ça. J'ai vraiment vu rouge. J'ai mis un point d'honneur à faire shaker le lit le plus possible. Ça il s'agresse. Yeah. Non, mais je respecte, ça. Ben oui, ben oui. Non, je respecte ça. Je respecte ça. Je respecte ça. Oh mon dieu, j'ai finalement pas été capable de venir et je me suis couché frustré. Dès que le service a recommencé le lendemain matin, j'ai sauté dedans pour me rendre à mon bureau. J'avais peur que le service ce soit une analogie de quelque chose comme genre qu'une autre séance de sexe commence. Mais le servir, service, service d'électricité a recommencé le lendemain matin. J'ai sauté dedans pour me rendre à mon bureau. Il est retourné à la banque. Le gars m'a réécrit pour me dire qu'il avait passé une super belle soirée non, non, non. et qu'il espérait une super belle soirée. <laughs> me revoir arrête, bientôt arrête, 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 arrête. et qu'il aimerait qu'on se date officiellement. Hell nah! qui okay, okay. nah. a écrit. PS, j'ai chié. J'ai une chie d'histoire de d'être oh. drôle ou digne Il y a de mention. J'ai hey, une chie d'histoire de date drôle ou digne de mention, si écrit. jamais vous le souhaitez. On le souhaite. Never, écrit. Stop. Écrit. Never stop. Écrit. Never stop. Écrit. 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 On t'adore. Hey, fait continué à le faire avec tout ce qui s'est arrivé. Tout le monde manquait puis eux se 4, 5 douches. C'est ça, moi, qui m'a marqué. Le monde, c'est génératrice. Oui, c'est ça. Il n'y au chaud de ça. Oui, tiens, mais... Tu <laughs> sais, c'est des grosses douches. Hein, T'es oh. pleine de barbe, de vomi. Oh my God. C'est extraordinaire. Oh, c'est à ouais. Vous êtes prêts pour non? Ben oui. Ça là, c'est une femme qui nous écrit une date euh, hétérosexuelle. OK, merci de, merci de, <laughs> de me préciser. <laughs> oui, parce que j'étais sur Grindr. Fait que là, là, la fille... De... Là, ah, là, deux gars. Là, je dis, c'est deux gars. Tu dis, oui. Elle dit, hé! Hey. Hey. <laughs> Okay. Bonjour à vous tous. Donc, je suis une femme montréalaise et au moment de la date, j'ai 20 ans et je suis en stage à Val-d'Or pour l'été. Étant nouvellement célibataire et dans une nouvelle ville, quoi de mieux que d'installer Tinder Finalement, après peu, je match avec un. gars. On décide d'aller au festival d'humour de la BTB ensemble. Let's go. Comme il habite plus loin et que je ne possède de rien à Val d'Or à part mon linge, il était chargé de venir me chercher en voiture et d'amener les chaises de camping. Le choix était d'Or en plein air, et il fallait apporter ses chaises. tranquille. Voilà. Le spectacle est à 20 h et nous convenons de nous retrouver à 19h15 chez moi pour y aller afin d'avoir de bonnes places et de jaser un peu. Il arrive à 19h45 chez moi et oh, bon déjà ça. ça commence très mal. Moi, déjà. je déteste les gens en retard. <laughs> il me dit qu'il faut qu'on y aille à finalement parce qu'à cette heure-ci, il y a trop d'autos de déjà parkées là. Finalement, il m'a avoir oublié les chaises de camping. Ah, <laughs> il a juste amené sa graine. Allô? Je ma graine avec l'obsession. Après, En plus, ouais, c'est un show gratuit. C'est ça. Là. Je trouve des chaises pliantes dans la maison où je vivais, des chaises pliantes en métal bien, bien dures. Les connais, connais lui. On a l'air, oui, c'est ça, des chaises de lutte. Mais... On a l'air pas mal con à marcher avec nos grosses chaises. On arrive un peu en retard, mais le show était en retard aussi, heureusement. Alors qu'on est arrivé par contre, il ne restait que des places de merde très très loin de la scène Après, après peut-être dix minutes, il me dit qu'il a trop mal au cul et qu'il va aller s'asseoir dans l'herbe plus haut là-bas, à une cinquantaine de mètres de moi. J'adore. Ok. Yes. J'adore. Hey ciao. Bon, la. Bon. À l'entracte, il vient me revoir. Euh, il s'était acheté à manger et à boire, mais ne m'en a jamais proposé. <laughs> il, oublie <tout. rire> il oublie tout, il oublie tout, il s'en va. <laughs> <dingue. rire> le deuxième était bon. Que ça six moi, à me faire. Tu quelque chose finalement? <laughs> ouais, le spectacle terminé, il revient me voir et nous partons avec nos chaises en métal en marchant vers chez moi. On passe par une ruelle. Il y avait beaucoup de monde et de voitures dans le quartier à cause de la fin du spectacle. À un moment, une voiture passe à côté de nous et on entend un cri. On se retourne et une fille sort de sa cour qui est ouverte sur la ruelle et la fille court dans la ruelle en criant « Choupette <laughs> !» Son petit chien venait de se faire rouler dessus par la voiture qui venait de passer. Qu'est-ce qui se passe C'est la Bitsubi. Moi, j'aime que tous ceux qui viennent de la Ben vont « Ben oui, ben oui, ben oui c'est une Normal. journée à Val-d'Or. Oh, c'est comme ça. Ben oui, choupette et mort. <laughs> » <laughs> Choupette. Oh! Ma date laisse tomber la chaise dans la ruelle et se précipite sur le chien mourant. La mère, mère de la fille vient en criant aussi. La mère et la fille sont hystériques. Lui, il <rire> décide de <laughs> me mêle de ça. Asti... Moi, je veux juste rentrer chez moi, mais ma date décide que nous avons le devoir de les aider. Il essaie d'appeler. Il peut pas être plate, mais il, il, il est trop tard. Ben ouais, ouais qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse? Une choupette, il n'est plus. Là. Il, il essaie d'essayer de se racheter. Ah, Pour montrer que c'est une je bonne personne. No -no. Non, je pense qu'il est nono. Je pense qu'il a ah, un une mais... un peu. Là. Il essaie d'appeler des vétérinaires, mais rien n'est <laughs> ouvert. Vétérinaire chums. hotline, mais rien n'est ouvert. Et de toute façon, le chien est clairement. Je <laughs> sais pas, hein. Choupette, ça ne sonne pas un gros chien. Là. Non, non. <laughs> c'est pas un Woodwiller. C'est pas un Woodwiller, <laughs> non, non, non. Oh non. mon Dieu. La fille et la mère se mettent à appeler plein de monde en pleurant. Des amis de la fille, la soeur de la fille. Bref. Plein de monde viennent les rejoindre et elles pensent toutes que c'est nous qui avons roulé sur le chien. Oh, il y en avait une assez méchante et accusatrice. Elle est juste là avec son grosse chaise. Bref, on a fini avec des pelles dans les mains à creuser un trou dans leur cour pendant wow. qu'elles pleuraient toutes. Je sais pas quoi C'est incroyable. Je ne pense pas que c'est un amour. Je pense pas que ça finit en disant ans. Oh et là, on est ensemble depuis 13 ans. On a mis le chien dans une boîte avec ses jouets et couvertures et on l'a mis dans le fond du trou et enterré en s'assurant de mettre des objets dessus pour pas qu'un animal déterre le cadavre. Oui, parce que c'est pas. Ouais. Moi, j'ai déjà enterré le chat de mon ami. C'est sûr que dans lui, ils sont venus. C'était pas mmh. assez creux. Ouais, Faut... Non, mais c'est ça, mmh. là. Mmh. Euh, pour pas qu'un animal déterre le cadavre. Une fois la tâche finie, on s'est remis en route vers chez moi sans oublier nos chaises. Toute cette épreuve avait duré environ 1h30. C'est long s'en crie à très bonne madame. En deuil. C'est long. Bref, il est rentré chez moi pour se laver les mains et est reparti. Pas de sexe. Ma libido était au fond du trou avec le cadavre du chien. On dit ça, mais l'autre gris se fait vomir dessus et il est encore dedans. Oui, ouais, avons... c'est ça. <laughs> la libido, c'est relatif. Nous n'avons évidemment pas eu de quatrième date. Okay, ça, c'était la troisième. Et voilà mon histoire de date pourrie. Et oui, j'ai écrit ces lignes sur mes heures de job. Yeah! Ça, c'est bon. Oh my God. Et moi, j'avais aimé ça qu'il y ait un coup de chaise. Oh, ça a été écrasant. Ma mère appelle un contrôle, coup de chaise ouais. à toute la famille de choupettes ouais. ping, ping À dire que j'étais. À force de me dire ping, que j'étais. Oh, un, un scénario de lutte incroyable. Oh, le oh, choupette, ouais. oui. survit. Tu te fais. Ok, oh. De choupette. <laughs> oh. oh mon Dieu, le z z choupette zombie revient. devient... ça devient un personnage de lutte. Ils <laughs> deviennent un trio de lutte avec choupette zombie. On a un show. C'est tellement... Parlons de show. On veut te voir que performer. T'as-tu un calendrier T'as des shows qui s'en viennent Bien, je lutte tous les fins de semaine, je dirais, à travers notre... la ouais. semaine? Toutes les fins de semaine, jusqu'en 2024. OK, mettons on trip <laughs> situé. On va où? Euh, NSPW, c'est là que je lutte le plus. Lutte NSPW, ça c'est à Québec. Euh, prochain spectacle, Stade Canac. Gros euh, show qui va se passer euh, dans le stade de baseball que les euh, capitales jouent. OK. Ça, c'est notre, euh, notre gros show de l'année. Wow! Hein? Hey, je je t'arrête, mais parle-nous de ça. Tu luttes oui. dans la salle de spectacle de Robert Lepage. Oui, le diamant. Et le contenu de tout. Okay, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi et Robert Lepage, on est très bons amis. Puis euh, là, mon avis, c'est On commence, mettons, comment tu as rentré, Robert? J'étais au gym. J'ai fait. <rire> 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 on se regardé au gym, je te laisse même pas. Hein! Je te jure. Au gym, on se rencontre, il a dit Hey, euh, t'es lutteur professionnel! J'ai Ouais. » puis dit Hey, j'entends commencer à attendre. Parce que moi, j'ai commencé à avoir un boom de ma carrière, je te dirais, quand j'ai battu le record d'Edouard Carpentier. Mm -hmm. Là, j'ai commencé à me mes C'était quoi le record? Dans le fond, c'est le plus long règne de champion d'une fédération majeure au Québec. Ah bon? Yeah, fait que là, moi, j'ai battu ce record-là. Puis là, là j'ai comme amené comme une crédibilité à mon personnage. C'est pour ça que je m'appelle le champion du monde. Mm -hmm. Moi, je suis comme le champion à vie. Là. Mm -hmm. Fait que là, j'allais à ce gym-là, il m'a abordé. Il a dit Hey, tu fais de la lutte, c'est intéressant. Et où est-ce que je peux te voir? Un peu comme ça. Je dis, ben, je vais en, au centre-horizon Québec. Tu viens à me voir, je t'invite. Il dit, ah, ben, merci. Mais il dit, euh, je vais aller telle date. Mais tu sais, le manque, il dit, je vais aller te mm -hmm. voir. Robert ben, Lepage, il le fait. C'est pas une blague. Robert Lepage, il fait. Ouais. Ah, la première là, de, le fait. Ma... La première de Guillaume Wagner, il a acheté un billet. Lui, il y a un avec spectacle moi. à Québec. Il va. Tu avec moi pour Guillaume Wagner. C'est extraordinaire. C'est ça. C'est extraordinaire. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que. Le nom me demande. Je vais aller te voir à un moment donné. Ouais, ouais. euh, pff, moi, c'est juste... Moi, je donne mes dates. Je suis gentil. Mm -hmm. Viens moi si vous voulez. Je vous invite. Non, il vient. Là, à un moment donné, je suis backstage. Je suis à l'arrière-scène. Comment ça me changer. Il y a un gars qui arrive. L'annonceur, il dit, devine qui est qu dans la salle. Robert Lepage. L'autre, il dit, le Robert Lepage. Oui. Oh, là, je dis, c'est pour moi, les gars. <laughs> ils se pente de rire. Tu sais, un rire moqueur. Là, je... Ah, je connais ça. <rire> <rire> là, je fais, oui, oh, oui, il est pour moi. Oui, Robert Lepage. Il nous, à et il va le voir et dit hey, juste te dire, je suis vraiment heureux que vous êtes là, monsieur Lapage, pour la lupe. Il dit Ah, je suis vraiment j'aime la lutte. » puis j'ai une un oh, ami, là, Marco Strada. Il là, ça a formé la gueule. <laughs> puis oui, anyway, ça a venu fil en aiguille comme ça, on a devenu super bons amis. On commence à se côtoyer vraiment régulièrement. Puis à un moment donné, l'édifice du diamant commence à se construire. Puis j'ai dit, ce mm -hmm. serait le fun d'avoir de la lutte là. Puis il dit, j'aimerais amener la lutte là. Puis à un moment donné, on a fait rencontrer euh, la lutte NSPW. Puis il dit, bon, on va renêcher 3-4 shows par année, un événement. Euh, on appelle ça de la lutte à l'opéra, ça, ça s'appelle comme ça. Ah, c'est hot. C'est hot, attends. Ouais. puis lui, il a toujours été un passionné de la lutte, son père l'a amené à la tour. Puis, euh... Ah, puis il respecte votre art, c'est bon. Oui, c'est ça, mm -hmm. il aime ça. Mm -hmm. Puis, euh... à un moment donné, première conférence de presse, il a dans ses spectacle de lutte. Moi, j'arrive là en chess, je vire ça à l'envers. <laughs> micro explosement Pouf, les billets se vendent genre 15 minutes sold out, puis là c'est l'événement le plus vendu au diamant à ce jour tout le temps. Ben voyons. Ça crée donc. un engouement incroyable, puis le monde veut en voir de plus en plus, puis là c'est tout un guichet fermé, puis là ça mène un engouement finalement. Ah oui. Puis ça, qu'est-ce que j'adore de ça, qu'on a venu toucher le diamant, c'est que ça a touché différente, euh, différentes, différentes euh, gens de la société, jamais mmh. qui aura osé venir dans au Santorin, ouais, oh, oui, non, oui, c'est pour, parce que moi ça eu la lutte, c'est comme, un... moi j'appelle ça un sport, c'est comme un sport mélangé avec de l'art. Mm -hmm. Ça regroupe un... des gens de différentes classes de la société qui osent venir sans se faire juger, mm -hmm. ni voir de la lutte, un sport que là, le monde se tape dessus, nous autres on met le, le corps, hein... on se détruit pour eux, là, pour faire mm -hmm. un divertissement à la foule. Puis, on est des grandeurs nature, on rentre déguisés, on a des personnages, on a une histoire, on interagit avec la foule. C'est la seule place où tu peux aller là et dire Va chier à l'acteur principal, puis lui, il oui, t'a oui, ils font tu... aussi à mes chaussures, ils font Mais no, <laughs> ben, toi, c'est déplaisant, tu comprends. Autre <laughs> nous autres, on se nourrit de ça. Oui, oui, oui. S'il n'y a pas de foule, il n'y a pas de nous autres. C'est oui, pour ça que moi, je trouve que la foule est vraiment importante. J'ai un gros respect envers eux qui viennent nous voir parce que il y a deux spectacles, seulement dit à chaque fois qu'ils viennent. Tellement. Moi, quand t'as la foule, puis la spectacle. Ouais, sur quand ring. Moi, quand je suis à la lutte, je regardais pas ce qui se passe dans le ring, je regarde la foule tu sais Comment ils oui. il interagissent avec nous autres. Ben oui. puis, la, la lutte a, a grandi aussi de ça. C'est que là, les fameux sous-sols d'église, moi j'ai jamais connu ça. Mm -hmm. Moi, j'ai toujours été dans des belles salles puis ça. Puis le fait de signer au diamant, bien, ça a amené une crédibilité incroyable au niveau de la lutte. Puis nous autres, ça boomait aussi ce temps-là. Ça fait ça juste. Génial. ça a juste explosé. Avant de partir, parle-nous de, 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 de ta salle de spectacle, si je peux m'exprimer ici. Là, vous avez euh, une salle, une place où vous faites vos, vos galas. Oui, ça s'appelle le Centre Horizon à Québec. Ça, c'est ma place primaire. Je aussi souvent au Saguenay. Saguenay, c'est une petite campagne qui est en effervescence. Puis, euh, il des shows tous les vendredis. Wow. Puis, ils font des spectacles à, mettons, l'hôtel, euh, l'hôtel des Montagnets. Euh, ils font des gros spectacles dans des arénas à Falardeau, wow. Saint-Honoré, des choses comme ça. Puis euh, ça s'appelle la AWE, Attitude Wrestling. Euh, hey, moi, je hein? suis juste trois. Ben, tu connais les acronymes. Moi, bon, ouais, c'est la AWE, hein? c'est une fédération là-bas qui est régionale un peu, mais ça commence à être de plus en plus populaire. Tous les vendredis, il c'est capoté, là. Ouais. Puis moi, comme je te dis, je suis bouquet. Puis je vais au maritime aussi, je suis champion là-bas à Nord Pro, puis je suis champion d'équipe à la NSPW. C'est pas mal les fédérations que je fais, parce que ça, ça prend toutes mes fins de semaine, là, parce que... Parce que là, on rentre la dans la saison estivale. Là. Ouais. là, on va lutter en Beauce, à Saint-Georges-de-Beauce, à Saint-Honoré, à Sainte-Catherine-de-Lajotte-Cartier, la -Quartier, au Nouveau-Brunswick, à Moncton. Tu sais, vendredi, j'étais à Moncton, samedi, j'étais au Diamant, moi-là. Mais là, là c'est 14 heures de route. Euh, ben, tu sais, vous connaissez ça aussi, la non, route, là. On fait pas ça. Tu, ouais, tu, le... tu nous clenches, est tu sérieux, nous est clenches. C'est ça. aller retour, aux autres, là. Puis, tu sais, le monde ne comprend pas comment c'est fou, le stress, ça nous amène, parce que, tu sais, on fait 14 heures de route, ben, 7 heures aller. On arrive là-bas, il là, faut performer parce que là, il y a une attente de voir Marco Estrada. Mais parce oui. que, tu sais, moi, je moi, suis rendu comme une attraction. Là, mm -hmm. Le monde vient me voir. Tu es hein, deadliner? C'est ça. Fait, les, le main event, le gros événement principal, c'est Marco Estrada. Fait là, faut que tu performes des plus gros matchs, mm -hmm. des plus grosses prestations. Tu finis ça, tu prends des affaires, tu manges, pac, 7 heures de char, tu reviens, tu fais une sieste, tu t'en au diamant, headline encore le diamant. La pression, l'engouement, oh, oui. les... à un moment donné, tu es tellement fatigué, ça joue tellement avec tes émotions et tout. Là. Maga Dimanche, je j'étais je t'ai détruit. Wow. C'est même tous les fins de semaine. Mm. Je dirais pas d'autant de route. Là, on va à Matanz, à 4 heures là, en fin de semaine. À ah, je... 4h, tranquille. <laughs> 4h, c'est très 4 tranquille heures. pour nous autres. Là. Ah, mais c'est ça, c'est fou, le, la pression. Puis les... Il y a quelque vidéo. chose de trippant aussi de visiter toutes ces villes-là oui, de faire des choses. Non, mais je veux dire. Oui, mais je veux dire. Ils vont quand même aller à la elle, rencontre elle, des gens. Parce elle aime les musées. Là. Non, non, mais je parle pas de faire <laughs> le tour des musées, mais de rencontrer des gens dans plein de villes. Puis... Ben, moi j'aime ça, aller juste divertir à la foule. Ouais, Allez-vous, est-ce euh, est... est que tu signes des autographes après? Est-ce que tu oui. rencontres? Je suis quand même très proche de mes fans là, parce que tu sais, je suis conscient qu'eux, payent pour moi. Mm -hmm. Parce que moi, je redois un peu quelque chose. Je suis toujours avec mes proches avec mes fans. Moi, ils m'écrit, je répare. Euh, ils viennent me voir, je suis pas des autographes. Mais des fois, je chante pas parce que je suis. Ah oui, t'es brûlé, t'es battu. Ouais. Le promoteur, ben, encore parti avant la fin. Oui, mais là, euh, je joue ouais. tous les fins de semaine, deux, trois fois par fin de semaine, je fais de la route, euh, ouais. plus toutes les affaires que je fais, je viens ici, je fais, fais, les... fais d'autres choses aussi. Ouais. c'est Le monde ouais. n'est pas ouais. il n'y a pas juste. Parce que, oh, tu t'en vas t'amuser à la lutte. C'est drôle. La première fois que j'ai vu Marco, c'est quand je me suis déchiré ton nom d'Achille à... au basket. Oui, puis j'ai joué. C'est la seule personne qui s'est jamais impressionnée. <laughs> que j'ai performé qu'un temps dans la chaîne déchirée. Ouais, ouais. Puis. Ah, qu que t'as joué à Québec au show de Mike Wilson. Ouais, ouais, ouais. J'ai. OK. OK, ouais. Puis ensuite, qu'est-ce que tu fais? Fait que ah, une, ouais. as ouais. fait un 10. tu c'est fait 10 minutes Work. de stand-up. Ouais, à je t'en en première partie, mais je sais, j'avais tout à Je Ah, ouais. Ouais, ouais. J'ai passé Et Moi, j'ai une <laughs> question. Plein? Je <laughs> t'écoute. <laughs> Mettons, là. Parce <laughs> que nous autres, moi, je trouve. La lutte, il y a beaucoup d'ego Puis les gars, des fois, respectent pas les règlements quand mettant quest ce que le promoteur a dit. Si que. Vous, vous avez comme une carte, maintenant, je ne sais pas, vous faites un spectacle. Mm -hmm. Puis la première partie prend euh, 25 minutes à la place de 10 minutes. Mm -hmm. C'est ça qui est le gros problème de la lutte. Là. Mm -hmm. Les gars ne respectent pas leur temps. Mm -hmm. C'est quoi la conséquence qu'il y a? Aucune. Pas. Il n'y en a pas. Un peu comme les autres. Ah, ouais. Ouais. La seule différence, c'est que moi, ça m'arrive jamais. À mes shows, ça n'arrive jamais parce que mes premières parties, c'est des amis, puis des gens que je respecte, puis c'est des gens qui font tu plus juste dans plus prendre, ce genre Je ne veux ce qu'il fait ça. Ça m'est jamais arrivé. Mais ça arriverait. Tu prendrais juste plus le gars. Oui, tu peux faire ça. Oui, ou la il, il dire, puis ils chantent. Ouais. Ou... Mais j'ai juste. Tu sais, maintenant tu lui dit, parce que nous, c'est ce qui arrive beaucoup, c'est que Il y en a qui luttent, c'est comme Bah, t'as 10 minutes. Parce que tu sais, nous autres, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'aspect que tu à, à 8h. Ouais. Moi j'aimerais ça, ça rentrait dans 2h. Ouais. Moi, je suis l'événement principal. Toi, t'es censé être là à 9, mettons. 9, si 000. à 10h30 je rentre dans le ring, le monde est fatigué. Là, ouais, là, est ça, ça fait ouais, déjà 2 heures et demie qu'il crie puis ouais. il est... Mais mettons, il y a des personnes comme au bordel ou au terminal, il y a une lumière. Mais ben, c'est ça, mettons tu vas au bordel. Oh, au bordel impossible. Pour plusieurs raisons. Impossible parce que tout le monde a peur de Mike Ward, François Bellefeuille. Ouais. Tu, veux veux... Pas, tu veux pas les avoir à dos tu Premièrement, ouais. tu as Premièrement, t'as peur de ces deux moi, gars Moi, je m'en fous, je défense. Cinq minutes, dix minutes. Ah, lui, micro coupe. Mm. Ah, Ça, c'est bon. Mm. Mm. C'est vrai, vous pourriez faire mes lumières. Mais dis-moi, il y a un nouveau règlement maintenant, il sonnerait à la cloche, là. Mm -hmm. Après deux minutes, tu te dépasses. Mm -hmm. Par contre, ça enlève le côté spectacle. Ce qui ouais. coûte de la lutte, c'est tout tu te dépasses. La lutte, tu fais Ah, il m'a vraiment mis dehors, puis je n'étais pas censé être ça. il y a une séquence par rapport. Ding, 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 là, le va faire. Un truc, ouais, est, un truc ouais. qui est particulier, c'est ce que j'ai observé à Montréal. Peut-être que des gens des <laughs> sont dirigés n'importe quoi. Tom. Il y a tellement, mettons, de soirées d'humour à Montréal. Les gens font moins ça maintenant parce que tu as tellement l'occasion de jouer. Quand j'ai commencé dans les années 2010, tu avais tellement pas d'occasion de jouer que, peut-être que moi, je vais jouer un show en deux semaines, faire 21 minutes. Mm -hmm, mm -hmm. ben, moins... C'est ça que je pensais. Je, je pense, te pense te... que moi, vu que je lutte toutes les fins de semaine, deux, trois fois, il y en a qui luttent moins que moi. Il veut tout mettre là. Non, famille, sont en famille. Enfin, ils ont un public le fun, puis là, ils veulent tout donner. Mais ben, c'est qu'il ce qu'ils là, tu disais Hey Chum, t'as fait 18 t'avais 10. Ouais. Mon fou, c'était bon. Le monde tripé. Ah, ouais, c'est ça. Ouais. T'es ouais. premier, c'est normal le manne tripé, là? là, ah, vrai, ouais, là. Que, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Moi, dans mon show à moi, c'est que je fais exprès pour pas que ça. je pogné du monde qui font pas ça. On va dire, t'es supposé de rentrer à 8h sur stage, je rentre à 9 h 15 Peut-être là, tu serais plus. C'est Parce que moi, il y a d'autres combats après, là. Tu t'en Mais c'est une notion de respect. Entre artistes, ah oui. je, je pense. Trouve, ouais. que, que, que je ne sais pas s'il y a autant d'ego de la lutte que de l'humour. Ah, 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 je pense que non. Ouais, je pense que c'est ah oui, pire, <laughs> que pire en, en lutte ou en humour Convaincu. Que c'est pire en lutte Convaincu. Ah oui. mmh. ben... Convaincu. Convaincu. Je pense qu'en qu humour, il y a une espèce de lutte intellectuelle et de charisme, mais vous, il y a, il y a ça aussi, mais il y a aussi le niveau physique. Là, ça rajoute une autre couche que l'ego peut mais bien Nous jouer aussi, si, on, on dépend bien plus des autres. Qu'est-ce que tu veux dire? On dépend des autres pour ouais, le spectacle. on dépend aussi. des autres pour les podcasts. Ils ont tout ça. besoin d'un adversaire, ils ont, tout... ils ont besoin de quelqu'un avec qui danser. Là. Ouais. Tellement ouais. plus que nous autres. T'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est ah, une excellente question, non? Mmh. Ouais, que... Question ouverte. On laissera les gens en discuter. Puis, tiens, on va se le dire. Les humoristes qui ont cette tendance-là, ça se discute. Alors, ça s'arrange pour que. Certes... Ça, quand, tu... quand tu le boucles. Book... Parce que là, j'ai remarqué ça, comme tu dis, il y a beaucoup de soirées, il y a beaucoup d'humoristes. Mm -hmm. ouais. Je me dis, tabarouette, cest rendu... rendu plus dur ou c'est plus facile d'accessibilité? Moi, j'ai tout, tout le temps pour m'en dire que plus il y en a, mieux c'est. Parce que si tu en aimes un ou si tu découvres l'humour grâce à un artiste, après ça, tu es prédisposé à en aimer d'autres. Ah, tu veux plus avoir tendance à. Oui, je trouve que les pour autres. le public, c'est une excellente affaire. Puis pour les artistes, c'est une excellente affaire. Tu sais, s'il y avait juste un humoriste, ce serait bizarre. C est, est, tu bénéficies bien plus qu'il y en ait plein. Tu bénéficies bien plus qu'il y ait plein de lutteurs intéressants. Tu sais, mettons moi je découvre la lutte via toi, puis après ça j'en découvre d'autres. Ouais. Tu vas me donner le goût d'en découvrir ben, d'autres. Mais un exemple, on t'a invité. Une des raisons pour qui on t'a invité, c'est que Zach Patterson est extraordinaire. Être, ah, les lutteurs sont le fun. On aime bien Marco. Ouais. Je peux comprendre ça, mais je veux dire, y a-tu comme, un... mais il devrait y avoir des pourris aussi. C'est sûr que. Comme ben, ben, n'importe je... quoi. Mais... C'est plus subjectif le stand-up que la lutte. Un, un, un mauvais, moi, je suis mauvais lutteur, c'est sûr, ça paraît. Par contre. basket aussi. <laughs> oui, c'est vrai, parce qu'il y a un objectif clair rentrer le ballon dans le panier. L'humour, ce qui fait rire un, ennuie l'autre et vice-versa. Moi je, moi, je trouve ça rough, l'humour. Ouais, tu trouves à cause de. Ben, c'est juste que tu sais, arrives sur stage, maintenant. Tabarouette, ben ouais, t'es tout seul, le monde ne rit pas, pas de réaction. Tabarouette, ben ouais, après tes bonnes le tu fais. Ouais. Hey, tu sais, à la lutte, euh, tu as des prises en masse pour te rattraper. Oui, oui, oui. Parce que samedi passé, ça n'a pas marché comme je voulais. J'étais fatigué, je trouvais ça… Puis en fin de compte, il y a eu de la réaction tout le temps quand même, parce mm -hmm. que j'ai eu le temps de faire d'autres séquences, me reprendre. Mais maintenant, si tu gagnes, tes bonnes jokes, « bonne joke, marche pas, marche pas, marche pas hey, », c'est lourd, tu es tout seul, tu n'as ouais, pas ouais. De, de… Il fait chaud. Il fait, il fait chaud, tu là. Tu sens physiquement. Aïe, quand ça va pas hein. bien, tu te tu sens, sens physiquement mal, tu sens que tes organes qui veulent quitter ton corps, c'est fou. Ça t'est déjà arrivé? Oui, oui. régulièrement. Ah oh, oui. si bon, moi oh, je capoterais. Surtout quand tu testes du matériel ou quand tu sais que tu as un Tu veux faire, mettons, du matériel qui est un peu plus corrosif ou du matériel qui est un peu moins dans les idées convenues. Ouais. Que certains publics qui détestent ces idées-là. Ah oui, vois. oui, c'est ça. T'arrives! Ouais. Ça ah, c'est capoté. Ou si des fois où tu penses que ton idée est géniale, elle juste pas bonne. Puis c'est le public qui te le dit <laughs> en temps réel. Mais si ça peut marcher la ville d'après, ça qui est capoté. Ouais. ou un autre public quoi. Ouais, ouais ça un sais. autre public différent. Et ouais. puis des fois ouais. c'est pire. Ouais. <laughs> des fois tu vois Mais... c'est le problème c'est le public. Ah oh, non c'est le matériel. <laughs> c'est déjà quelqu'un qui a été voir après un show pour dire ben vous deux c'était pourri. Euh non. Je pense pas. Pas, pas hein. un couple ouvert live par chance. Toi, un spectacle matin. Asseoir tranquille t'es pourri. Ah oh, moi il quitte pendant. Moi, du pendant, moi, je me je vais te couper en disant que ça, je ne pouvais pas dire ça, que je n'avais pas de bon sens. Ah ouais. Ça, ça m'est déjà arrivé. J'adore ces moments-là. <laughs> parce que j'adore la confrontation. Après, les, ceux qui taïssent, ils veulent le plus vite possible sortir de ta, sortir, te sortir de leur tête. Fait ils font juste partir. Ça n'est jamais arrivé quelqu'un qui fasse la file. Qui fasse, ouais, juste te dire, tu aucun talent, va travailler au subway. Ça, ça, mais il y en a, a plein qui l'ont pensé, je suis sûr, je suis convaincu. Ah oui, il pensait, mais le dire, ça aurait été hot, là. Non, non, non. <laughs> fais la line-up pour ça, une de là. Ah! Hey! Ben, pourri! Ben, si je suis arrivé. Il, il, il y a un gars à Sherbrooke qui va voir tous les shows. Et lui, des fois, il ne ouais, trouve pas drôle, puis il vient me le dire dans la loge. Ouais, c'est déjà arrivé. Ouais. <laughs> là, il ouais. se permet de rentrer de ta loge. Hey, le pourri! J'ai dit, <laughs> dit il m'a expliqué tout ce que j'étais pas mal, puis j'avais faut que tu t'en ailles. Comment ça? Tu me parles critique, J'avais été quand même dans mon espace après un show. Oui, puis comme... il est. Il n'y a pas... A... Ok, ouais. Voilà. Okay. Et euh, <laughs> j'ai expliqué comme c'est gentil, mais là, c'est hum. assez... Là. Non, arrête là. Ouais. Toi. Sinon, ce qu'on retrouve parfois dans les fans de podcasts hardcore, puis j'imagine que, que dans la lutte aussi, tu, tu vas peut-être retrouver ça, c'est que, mettons, eux, ils aiment un podcast et tous les autres podcasts, c'est de la merde. Mm -hmm. Puis wow. leur podcast, le... comme si, mettons, si t'aimes un lutteur et puis tous les autres lutteurs, s'ils sont pas, il y en a juste un qui est bon, puis c'est Marco, mettons. là, t'sais. Ça, c'est vrai, c'est exemple. Yeah, ça, <laughs> comme... ça, je crois. <rire> <T'sais>... <rire> oui, bien, c'est ça. Ils ont raison, ceux qui disent ça. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Je comprends ce que tu veux dire. Mais au même titre, moi, je le vois au même titre que tu peux vraiment aimer plus qu'un film dans vie, tu peux aimer plus qu'un musicien, tu peux aimer plus qu'un podcast. Mais ben, vous, là, votre... Mettons, y a-tu une personne qui représente l'humour à Québec? Non. Non, parce que ce, 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 tu vas demander à, tu vas demander à mettons, un échantillon de 100 personnes, puis ils ne nommeront pas. Si tu demandes c'est qui le plus grand humoriste au Québec, selon toi, oui, il va y avoir des noms qui vont ressortir, mais je pense pas qu'il va y avoir une unanimité. Et c'est ce que j'aime de notre époque. Il n'y a personne qui représente le milieu. C'est beaucoup plus varié, puis vive la variété. vive la variété. Oui, j'avoue. Parce que moi, je trouve que la lutte a été mal représentée, mettons, dans le longtemps, temps c'était on Oui. la lutte a été boudée. Pourquoi ça? Pourquoi donc? Parce que je me souviens bah, justement que là, quand j'étais jeune. C'était Ah, c'est ça, c'est comme il y a c les comme... Les fameux préjugés, c'est ouais. violent, c'est des sous-sols d'église. Ouais, euh, ouais, ouais. c'est C'est des, des mongols qui vont voir la lutte. Ouais, ouais. la fameux, des jugements d'homosexualité, des choses mm -hmm. comme ça, mm -hmm. ça, de frotter, blablabla. Bla, bla. mm -hmm. Puis à un moment donné, ça a commencé à recommencer à en parler, un peu que des gars comme Pat Laprade, qui fait des livres, des chroniques, là, un peu de crédibilité. Là, moi, j'arrivais dans le milieu, je commençais à faire des choses. Puis là, à un moment donné, me Ah, ça commence à cool la lutte. Puis ils viennent te voir live puis là, ils voient le spectacle comme crime c'est vraiment hot c'est une belle sortie familiale on a du mm -hmm. fun mm -hmm. on peut crier on peut avoir du fun c'est un exutoire de foulatoires. puis tu on a du fun puis c'est pas violent c'est pas parce que tu sais mais il y a une violence comme... mais qui, qui, qui fait partie d'un spectacle. C'est ben, un film, il y a de la violence ça, aussi. Oui, oui. Tu peux pas contrôler tout aussi. Tu es capable ouais. de dire à ton enfant, Ça, c'est un spectacle, il joue un, mm -hmm. un personnage. Marco, mm il joue un personnage. -hmm. C'est pas vu la vraie vie. Mm -hmm. Mais c'est sûr que nos personnages, il y en a qui ressemblent d'ailleurs. Je me rappelle oui. quand j'étais enfant, les Power Rangers c'était devenu controversé parce qu'ils sembleraient. Là, c'est des rumeurs d'Internet. Si je me trompe, je me trompe. Mais c'est des rumeurs de. De l'époque. Quand j'étais à l'époque, il y a un garçon qui a vu les Power Rangers puis qui a battu sa sœur après, il l'a tué. Mm -hmm. ont dit que ça rend les Power Rangers, ça rend les enfants violents. Mais je me rappelle pas, à 8 ans, je disais ça, puis bien du monde pensait ça, mais le pas ouvertement de, attends, c'est les Power Rangers qui l'ont rendu violent, ou ce petit gars-là, il était peut-être dans un environnement spécial, puis parce qu'il y, y a des dizaines de millions de personnes qui regardent les Power Rangers, puis il y a un petit gars qui boit sa soeur. Mm -hmm. En général, le problème, c'est les Power Rangers, c'est peut-être environnement. Comment ça, il, il, il était tout seul avec sa soeur. Comment ça, plein d'affaires, tu sais. Mm -hmm. Je pense que la lutte, là, il y a bien des parents qui disaient, « Bien, ils refont les prises dans leur cours. » Ça. « Parle un peu à tes enfants. » en Ça s'est amené parce qu'à un moment donné, la WWF, qui est eux à cette heure, ils disaient, « Là, don't try this at home. » faisais mm -hmm. pas ça, on est des professionnels, on s'entraîne. Mais qu'est-ce qui est arrivé aussi, c'est que la lutte aussi, c'est su... Je sais pas si c'est même avec l'humour, c'est super facile d'accès on... De commencer à faire ça. Ouais. Ouais. C'est facile c'est accessible facilement. Ouais, demain matin, on, fait un, on dans notre cours, on peut éviter du monde puis on se ben ouais. ça. Puis toi, tu peux louer une salle. Ouais. On va dire moi, je te rejette parce que tu ne sais pas lutter. Tu vas dire ouais, pas de trouble. Je vais m'acheter une arène de lutte. Je vais louer une salle. Je vais me dépose Lutte professionnelle. Ouais. 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 C'est pas tout le monde qui est professionnel. C'est pour ça que je trouve l'image de la lutte, là, des fois, est mal représentée. Même à ce jour, je suis content parce que tu je peux aller un peu partout et dire la lutte, c'est le même, c'est c'est ça. C'était fou, là, c'est n'importe qui. Là. Ouais, mmh. moi je suis tout un professionnel. nous. Moi j'appelle ça de la lutte amateur. Mmh. Ça, mmh. Parce qu'ils sortent pas de leur région, ils font rien d'autre, ils ne sont pas populaires. Et... C'est ça, on va dire, faut t'amener une certaine crédibilité aussi. C'est comme les humoristes, je sais pas si c'est facile à rentrer là-dedans, faire un spectacle. Demain soir, aussi? tu peux faire un open mic et dire que tu es humoriste maintenant. Ah moi, je peux aller une place, je que moi soit jouer ouais, un open ouais, mic. Ouais. Ben Peut-être pas non, peut non, au bordel, c'est un peu plus non, non, contingenté. Bordel, mais mettons, il y a des soirées d'humour, puis là, tu as juste à écrire aux hommes. Pour jouer au bordel, tu t'inscris sur Internet. Tu attends <laughs> quelques semaines, puis tu joues. Ben oui. Ouais. Ben oui. Ben oui. oui. Mais ça. encore là, c'est ça. Est-ce que tu vas devenir humoriste professionnel Pas tout de suite. Mais tu, ben, je, je, peux ça. je suis au bordel. Professionnel. Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, je sais j'ai des collègues que ça dérange, puis c'est professionnel, il faut que tu fasses tes classes. Moi, ça ne m'a jamais dérangé. Je suis même d'avis que ça se peut une personne qui a énormément de talent commence à faire de la scène, puis est exceptionnel, puis Bob... Non, mais si est bon, c'est ouais. correct, mais qui est pourri, qu'il fait pas une belle image maintenant à l'humour, puis là, il dit « Moi, je suis humoriste. » Une belle image selon qui? Mm -hmm. Il y a bien des gens qui considèrent que je fais une mauvaise image de l'humour, mm -hmm. parce qu'ils me trouvent pas drôle, puis dépassé, puis ennuyant. Parce que si je me permets de dire ça de certains humoristes, plein de gens peuvent dire ça de moi. Plein de gens peuvent dire « Thomas, lui, il est plate, il a pas rapport. » On peut dire « C'est n'importe qui. » Alors, moi, je ne me permets pas de dire ça sur les autres, puis vice ça C'est subjectif. Ce qui fait rire est subjectif. Ouais. Ce qui fait mourir de rire, quelqu'un ennuie la personne à côté. Je le sais, je le vis des fois dans mes ben choses. Oui, je fais oui, une oui, blague, sûr, là, euh... Il y a un couple, la fille a ses les yeux. Je ben oui, me fait Où c'est que je suis? Pourquoi ce gars-là, il parle? Mm -hmm. Ça ne devrait pas arriver. Mm -hmm. Ça arrive. Mm -hmm. Ouais. Puis ça. Ce... vous, des gens peuvent se blesser. Moi, ouais. la pire affaire qui peut arriver, c'est plat. Ben moi c'est plus facile à voir, je te dirais. Il pas oh, non, bon, non, mais... non, non, non. Il y a une raison pourquoi le gang show c'est aussi populaire, tu peux voir très rapidement qui n'est pas bon. <laughs> oui, ça c'est <laughs> <c 'est> vrai. <laughs> très rapidement! Ah oh, oui. Oui, c'est ça. Oui, oui, j'avoue. Déjà, comment aussi... ils prennent le micro, tu fais, ça va être épouvantable. Mais moi, mmh. je compare ça, maintenant, ça vas dire. À ça, il y a beaucoup de shows d'humour, vous disiez. Moi, je trouve qu'il y a trop de shows de lutte, maintenant. Mmh. Là, ça s'est beaucoup calmé, mais là, je vois que vu qu'il y a un engouement au niveau de la lutte... Il y a d'autres fédérations qui commencent à popper. Pop, 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 pop. Des anciens là, qui luttaient, mm -hmm, mm -hmm. qui sont plus en forme, qui n'ont pas d'affaires là. Pis les... Moi, je lutte à je fais des spectacles. Là. Ben oui, je ai lutte là, à Lévis, il est à la date. Ah, ouais OK. Mm. Puis là, lui, tu t'amènes quelqu'un, peut-être sa première fois qu'il y va. Ah, c'est ça, il est professionnel. Je ne sais pas, c'est comme prendre avantage de la situation pour... Euh... En tout cas... C'est ah cool, hein? oui, ce intéressant. Ouais. C'est ça, je me disais, l'humour, c'est ça, c'est un, ben, un peu la même chose. Mais, oui. mais c'est vrai, dans le sens que, mettons, tu vas voir un humoriste, tu fais comme, ah, c'est ça l'humour, j'aille ça, je retourne chez nous, puis ouais. j'en vois plus jamais. Mais moi, produit de, de trop dilué, peut-être aussi ce qu'il y a trop. Là, mais je trouve, ça toujours, je trouve ça quand même moins pire que si, y en avait, si cette personne-là n'avait pas été humoriste ou si cette personne-là n'avait pas été lutteur. On dirait que moi, j'ai toujours comme, hey, cette personne-là a essayé quelque chose, c'était mauvais. Ben, j'aime mieux que ça l'ait existé puis que ça ait été mauvais que qu'il soit resté chez eux qu'il ait eu vraiment envie de faire de la lutte puis qu'il en a jamais fait mettons. Ouais. Tu me suis Ouais, je suis. La <rire> <rire> Mais la, la différence c'est que tu peux te ramasser à l'hôpital tu si sais, tu sais pas lutter. Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais, Ça a la grande différence tandis que un mauvais show tu tu, tu, ça tu, tu... avec ton égo en dessous du bras. C'est des fois un mauvais show c'est mieux qu'un bon show, un mauvais show, c'est ça peut mot, être très drôle. drôle. C'est sûr, c'est le oh, malaise en tabac oui. Ouais, y a quelqu'un qui fait des blagues là, sur George Bush Il n'est <coughs> pas revenu de George Bush là, très drôle. Et oui. Mais c'est ça, la lutte on amène quelqu'un autres aussi là, tu sais, un peu blessé euh, mm -hmm. c'est. Euh... Mais ouais. c'est aussi l'ego, c'est ça aussi mal placé. Des fois, tu vas lutter contre qu quelqu'un en région qui a jamais sorti, puis se lance sa, sa matante Linda. Lui, c'est le meilleur lutteur de sa planète, puis dans sa tête, bah oui, c'est le meilleur lutteur. Puis sa blonde, t'es le meilleur. Ah, oh, ouais, je suis le meilleur. Il euh, t'a jamais sorti de la région, arrête. Mm -hmm. là, puis il se bat Moi, j'arrive, je suis une attraction, je viens là. T'es-tu correct? Ah, Moi, je suis perdu. Pas... Là, tu quand même, tu fais. Hé, Ah, ouais. Tu fais, ça n'a pas de sens. Là. Puis, tu sais, lui il est dangereux là, dans le ring. là Il ne mm -hmm. suit pas. Mm -hmm. Tu sais, moi, j'en ai cassé des dents, là, parce que tu ce n'est pas de ma faute, là, mais j'en ai blessé du monde, là, parce que ça ça passe assez vite. Tu ne suivis pas la mm -hmm. cadence. Mais quand tu répètes à eux, t'es-tu correct? Oui, ah, oui, tout va être beau, même. Je gère. Je gère ça. Tu vas voir. que tu pas, ça va être fou? <laughs> C'est fou, fou, perdre quatre dents aussi. Là. ouais moi, j'ai cassé la dent là. là. Ça, c'était plate, là. Moi, ça m'arrive souvent de casser des dents. Là. Ah, ouais. Ben, c'est ça. Ouais, non, mais, gars, yeah. puis ils y, y apprennent, ils y, y ont cru, puis finalement, ils font, oh, OK, je retourne chez nous avec mais ma palette. je euh, okay. me trouve une job avec ouais, ouais, ouais. plus d'argent payé. Je me trouve une job avec une assurance dentaire. Ah, <laughs> ouais, c'est ça. Ah, bon, et voilà. Marco, c'était extraordinaire. Ouais, c'était cool. On, on te suit sur Internet, on va voir tes shows, on s'éclate et on se voit bientôt. Oui. Merci.